mon mannequin, mon mannequin, mon mannequin. Salut à tous et à toutes, salut à vous chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Et bienvenue sur cette page de TGV de l'information, sur laquelle page nous n'avons pas eu à procéder à ce genre d'exercice compte tenu aussi il y a longtemps peut-être de l'intérêt sur l'actualité et autres. Et je vais, avant de commencer, vous prier de m'accorder quelques minutes, le temps pour que les gens nous rejoignent et avant qu'on ne lance, pour que certains ne disent pas qu'ils ont raté l'auction. J'estime que je suis dans le temps, même si j'accuse un retard de pratiquement 8 minutes. Le direct était prévu pour 16h, tout pile, mais il est 16h08. J'essaie de compter sur votre indulgence. Vous ne serez pas aussi trop exigeant pour ce léger retard. Donc, je vous prie de m'accorder encore juste quelques minutes, autant pour que les uns et les autres se connaissent. Avant d'y aller, j'espère que vous m'écoutez très bien. Est-ce que la qualité du son est bonne, la qualité de la vidéo aussi? Si c'est bon, que vous me signalez en message. Et je vous prie, je vois pas de son. Pas de son. Mais chez moi, c'est pas le cas sur mon second téléphone. Chez moi, c'est pas le cas. Il y a pourtant le son. Je crois que peut-être vous deviez ressortir. Est-ce que les autres ont le son? Est-ce qu'il y a un retour? Ouais, c'est un commentaire, j'entends bien. Dans ceux qui ne nous entendent, ne m'entendent pas, je les ai priés peut-être de faire sortir et réintégrer peut-être le live. Ça veut dire que certainement à cause de. Ça doit être certainement à cause. Peut-être un problème de réglage à un niveau, je ne sais pas. Donc, mais encore quelques minutes, s'il vous plaît. Je vous prie d'être. Vous savez que j'aime bien respecter le timing. Donc, j'essaie compter sur votre tolérance, votre indulgence. Donc, juste quelques minutes pour que j'informe certaines connaissances qui ont souhaité partager, écouter ceci avec nous. Donc, quelques minutes encore, le temps que je fasse quelques relais, j'essaie bien compter sur votre compréhension. C'est pas facile. Donc, donnez-moi 2 secondes, juste. Ok. Ici, encore 1 minute maximum. Allez, on va lancer. Donc, just 1 minute, please. We're going to start with this Facebook Live. Je me bats pas mal en anglais. Hein. Bon, ceux qui me connaissent, I try to speak English, even if I study in English. English language in the past in university for those who know me. Qu'est-ce que je fais là? Allez, dernier réglage. Je vous prie de mettre les cœurs parce que ce que nous allons dévoiler ici ne va certainement pas arranger certaines personnes, mais c'est la liberté. Ceux qui estiment qu'ils ne partagent pas ou qu'il y a des choses qui seront dites, qu'ils estiment que c'est faux, peuvent intervenir, peuvent m'appeler sur mon WhatsApp, l'un des WhatsApp, mon deuxième téléphone, non, le WhatsApp camerounais, parce que je crois que c'est sur ce téléphone. Oui, l'un des deux, hein, WhatsApp, que ce soit celui du Cameroun ou d'Allemagne. Alors, comme je disais tantôt, nous sommes ici en live dans le cadre de l'actualité. Vous savez très bien, il s'agit bien évidemment de la libération, notamment l'ordonnance de libération et de la non-libération de Amogo Bellinga et Eko, une affaire qui concerne l'assassinat de Martinez Zogo,
ce journaliste présentateur de l'émission Embouteillage, une émission qui d'ailleurs était très suivie au Cameroun. Il faut dire ici, je ne vais pas faire dans la langue de bois, il faut le dire des choses telles qu'elles sont. Je vais vous préciser que oui, on est certes au cœur de cette actualité qui porte sur l'affaire Martinez-Hugo et aujourd'hui encore qui revient au goût du jour avec cette libération, la signature notamment de l'ordonnance de libération et de la non-libération de Amougou Belinga et Eko Eko. Sans faire dans la langue de bois, il faut que vous compreniez actuellement. Parce que c'est ça. Quel est l'intérêt du peuple camerounais? Quel est l'intérêt de Martinez qui a été assassiné dans cette affaire? Quel est notre intérêt? C'est ce que la question qu'on doit se poser. Parce que ce qui se passe doit nous amener à comprendre dans quelle situation le Cameroun se trouve aujourd'hui. Il faut dire que le pays est désormais dans la rue. Le Cameroun est désormais dans la rue. Paul Biya ne tient plus rien, ne peut plus rien diriger. Le Cameroun est pris en otage par des personnes. C'est-à-dire, il a mis ses amis, ses clans, des clans au pouvoir, les pontes du régime qui ont pris en otage le Cameroun. Alors, étant dans cette situation, excusez-moi, j'ai du respect pour son âge, mais malheureusement, c'est la langue française qui a choisi, qui a défini les adjectifs. Il est dans une posture d'une personne moribonde. C'est pas pour l'insulter, mais c'est un fait. Quelqu'un qui est officiellement âgé de 91 ans, pour ceux qui savent, qui ont déjà rencontré une personne de cet âge-là, vous allez comprendre que lorsqu'on a cet âge, on ne juge plus de toutes ses facultés. Que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit intellectuel, c'est un fait. Donc, il doit comprendre qu'il est un has-been. Et vu sa situation, il ne peut plus tenir. Lorsque vous voyez peut-être ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec Cavaille, si on racontait seulement ce aux gens, ils n'allaient pas. Parfois, vous voyez ce triste spectacle. L'autre jour encore, vous avez vu une vidéo où on présente quelqu'un. On lui parle de l'ascenseur, du véhicule. Il a commencé à crier pour bien, partout. Voyez-vous? Dernièrement, c'était une autre vidéo où il a commencé à faire des déclarations qui n'avaient même pas de rapport avec l'actualité du jour. Alors, vous comprenez que si vous voyez un travail comme ça, vous avez vu Niak? Niak est devenu là comme un bambou penché. Il n'est pas même plus à se tenir debout. Ce n'est pas une insulte, mais c'est que ces gens sont à un niveau de leur vie qu'ils ne peuvent plus. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus tenir. En aucun cas. Du coup, étant dans cette situation, les personnes qui les entourent ont pris donc le pouvoir en otage. Ils se fomentent des clans, de groupes au sein du régime, au sein du Serail, qui préparent l'après-Biya. C'est pourquoi j'ai dit, faites très attention et soyez vigilants. Les Camerounais doivent être extrêmement vigilants. Car si on ne fait pas attention, j'ai peur que le Cameroun autant pour moi, notre pays, se trouve dans la même situation qu'on a eue en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous qu'en Côte d'Ivoire, c'est après la mort de Félix Houphouët-Boigny, suite à une bataille de l'armée de Houphouët-Boigny, dans le cadre d'une bataille entre Alassane Ouattara, actuellement président, et Henri Konan Bédié, qui discutaient le président. Les mêmes choses. Je crois que Ouattara était premier ministre, que Bédié, président de l'Assemblée nationale. La Constitution prévoyait qu'en cas de vacances du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim. Logiquement, ça devait être Bédié. Mais Ouattara a subtilement cet instrument accaparé du pouvoir et ça a créé, avant de lâcher, bien après, ça a créé ce conflit. Parce que quand Bédié arrive, il crée la loi sur l'égalité pour écarter Ouattara parce que il se susurrait que Ouattara étant Burkinabé, il fallait donc mettre un élément légal pour l'écarter du pouvoir. Alors c'est cette bataille-là qui est née entre des gens du même système, c'est-à-dire des fils du feu de Félix. C'est le même scénario actuellement qui est en train de se dessiner au Cameroun. Peut-être les gens ne le voient pas. Il y a des clans, il faut le dire. Le clan de la Tarse, donc on est dans une bataille, dans un derby entre les membres de l'ordre de 82, notamment, et cette task force constituée de Ferdinand Gongo, Mbargamboua et autres, contre le FC Lune 94, constituée de Lupo Motazé, Laurent Esso, Amougou Belinga, comment on l'appelle encore, Mbondo Ayolo. Ah, et autres, parce que les femmes aussi vont entrer dans le game, on va arriver dessus. Donc, voilà dans quoi le Cameroun se situe aujourd'hui. Tout ce que vous voyez là, vous croyez peut-être que le fait d'avoir de faire des allers-retours, d'arrêter, ce n'est pas parce qu'on veut faire justice, ce n'est pas parce qu'on a peur. Ces gens, ils s'en foutent pas mal de ce que vous pouvez penser de leur façon de gérer le pouvoir. Alors, du coup, ils font des choses comme bon leur semble. C'est dans cette situation qu'on se trouve. Maintenant, avant de parler du cas de Martinez, permettez de donner-moi juste une seconde pour revenir sur ce dossier, parce que j'ai laissé ma mettre au feu qui mijote le temps pour moi d'arrêter le feu. Alors, bon. C'est bon? Alors, que se passe-t-il? Vous avez bien vu ce document? Le document signé hier, qui a été publié, qui a circulé, portant ordonnance de libération de Martinez Ogo et Amougou Belinga. Il y a un autre document qui est arrivé où
le juge d'instruction militaire, que j'appelle la marionnette de Sikati. Pourtant, dans son CV, j'ai appris que ce monsieur est un pasteur. Je suis désolé, c'est une marionnette qui n'a aucune posture, il n'a pas de couilles. Parce que les deux documents, que ce soit l'ordonnance de mise en liberté de Amougou Belinga et Léopold Maxime Eko Eko, ou le communiqué qui revient après démenti sont signés, je le mets au défi et je vais lui dire, je profite ici pour l'annoncer exclusivement, j'ai accepté volontiers d'apporter ma part de vérité pour faire lumière dans cette affaire. J'ai cru de bonne foi que ce juge était quelqu'un de sérieux. J'ai cru qu'il avait au moins de la hauteur ou de la posture pour. Vu parce qu'on a souvent la tendance à peut-être à se tromper sur le profil des gens parce qu'on dit pasteur, oui, subitement, ça nous voile, mais faisons attention. Des gens se cachent parfois en soutane alors qu'ils ont le couteau là pour faire du mal. Faisons attention à ce type de personnes. J'ai cru en voir un monsieur qui a peut-être la posture de Chirik. Chirik, pour ceux qui le savent, qui a eu le courage de dire non lorsqu'on a demandé de faire condamner Mebarak. Souvenez-vous du fameux rouleau compresseur. Quand Amadou Ali a mis la pression, Chirik a refusé. Parce qu'il avait décidé de libérer Mubarak. Tout de suite, on a fait le rouleau compresseur, on a refait un autre mandat et qui a retenu Mubarak en prison. Donc, dans le cas d'espèce, il y a des influences. Je vous ai parlé au départ des camps de pouvoir qui ont influencé effectivement le juge Lionel Sikati. Il n'a pas libéré, signé l'ordonnance de mise en liberté parce qu'Amougou Belinga n'aurait rien à voir ni écho écho dans cette affaire. Non, je vais développer. C'est parce qu'il y a eu des influences. Ce document, je le précise, je dis encore ici que Sikati Kanwo est celui qui a signé le document d'ordonnance de mise en liberté de Amougou Belinga et Maxime Eko-Eko. Il est également la même personne qui repasse signer un document en disant que ce n'est pas authentique. C'est faux. C'est vous qui l'avez signé. Si vous estimez que ce n'est pas vous qui l'avez signé, je vous mets au défi. Il faut que vous écoutez cette vidéo. Partagez cette vidéo massivement. Ceux qui le connaissent, envoyez-lui. Je lui ai crié. On l'a appelé. Il n'a jamais décroché le téléphone. Parce que c'est de notre droit, en tant que citoyen et journaliste, de vérifier. Quand nous avons vu le document, je n'ai pas cru. Souvenez-vous que j'ai annoncé, en premier, avant que ça ne sorte, allez sur ma page, vous allez constater que j'ai annoncé que Tchungang se targue. Effectivement, il se targuait, il racontait, il y avait des fêtes depuis quelques jours. Je n'ai pas voulu croire d'après mes réseaux. J'ai commencé à apprendre que les gars se préparent à la libération de Amougou Belinga. Mais Tchungang, hier encore, ça revenait plus fort. Quand j'ai les documents, j'ai refusé de publier ces documents. J'ai appelé Sikati, je lui ai écrit sur WhatsApp, j'ai la preuve. Je suis citoyen, il a le devoir de me répondre. Je suis journaliste, il a le devoir parce que c'est ça. Lorsqu'on cherchait la vérité, on parlait la source. J'ai fait appeler, il n'a jamais décroché son téléphone pour savoir si ça venait de lui. Mais malheureusement, or, c'est lui qui a signé ces documents. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi, je donne les noms. Maintenant, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire et de vous faire votre propre opinion. Dans cette affaire de bataille, Boris Bertrand travaille pour le clan Amougou Belinga, Mvondo Ayolo et Eko, comment on l'appelle encore, Motazé. Je dis, je donne les noms. Remarquez que quelques jours avant que ce document ne sorte, je ne fais pas dans la langue de bois, que ça vous plaise ou pas. Quelques jours avant que ce document ne sort, vous allez constater que Boris a pris sur lui de faire une série, et je le dis ici clairement, et chaque fois qu'il va vouloir torpiller, manipuler l'opinion dans l'affaire Martinez-Zogo, il me trouvera sur le chemin. Ça ne passera pas. Les gens ont posé la question de savoir quel intérêt j'ai. Bien sûr, j'ai un intérêt. J'ai un intérêt autant pour moi. Ne prenez pas les gens pour les imbéciles. Martinez-Zogo, après lui, c'était moi. J'aurais pu décéder. C'était moi qu'on aurait pu assassiner avant Martinez-Zogo. Mon seul crime, c'est d'avoir accepter de rencontrer Martinez Ogo à l'entrée de Amplitude FM à 13h le 28 décembre 2022, devant les gens, devant témoins. Il y a une photo, un secrétariat à l'entrée de Amplitude FM. C'est ce jour que j'ai rencontré. Après ça, je n'ai plus jamais vu. Donc, tout ce que Boris a raconté, inventé, que j'étais avec lui à Omnisport, j'ai pris les poissons, j'ai pris ceci, il a même d'ailleurs voulu manipuler l'opinion en disant que il faudrait que vous sachiez avec qui vous dealez désormais, avec qui vous avez affaire. Dans ce combat, les personnes, parfois, je ne peux pas m'entendre avec lui. J'ai beaucoup de respect pour Zumanto, qui fait un travail excellent. On ne peut pas s'entendre sur les méthodes, on peut se tromper sur certains sujets, mais c'est un monsieur que je respecte et qui fait jusqu'ici un combat, qui mène un combat sérieux et qu'il faut reconnaître ici. Mais Boris Béton, je vous le dis, honnêtement, on ne peut pas jouer avec le sang des gens. Même de mon pire ennemi, je ne pourrais pas accepter cela.
Parce qu'il s'agit d'une question de principe et de valeurs humaines. Il faudrait qu'on véhicule des valeurs, qu'on ait la crainte devant l'être humain. Et du coup, j'ai décidé de ne plus faire les signer. Dès qu'il y a moindre erreur, je cite les noms. Il y a Boris Bertol, le journal Jeune Afrique, Mutation, Le Messager. Vérifie bien ce que je dis. Quelques jours avant, ils ont publié une série. Ils ont fait une série de sorties où ils voulaient donner l'impression à l'opinion que Maxime Eko-Eko n'a rien fait. Non, Eko-Eko a dit que Eko-Eko n'a rien fait. Les gars de la DG, remarquez, allez sur ces pages. Je vous cite les noms. Je les cite ici nommément. Je ne, il faut plus qu'on, le temps est court. On est en période de transition. Et si on fait pas attention, le Cameroun, on va retomber dans la même situation quelques années après. On ne peut pas prétendre combattre des bandits et dealer avec des bandits. Tout ce que ce soit les Ngongo et les Motazés, c'est les mêmes gens. Ce régime, c'est tous doivent dégager parce que c'est eux qui foutent ce pays dans la merde. Il faut être clair là-dessus. Ça ne souffre de rien. Alors, des gens venant se placer, je me pose même la question. Moi, j'accepte que je suis ceux qui estiment logiquement qu'il faut procéder effectivement à la vérité, même si on n'est pas d'accord avec les gens. Quelle est cette obstination à vouloir nous faire croire que Eko-Eko n'a rien fait et que Amogo Beninga n'a rien fait? Quelle est cette obstination à vouloir à tout prix nous montrer qu'ils n'ont rien fait? Pourquoi? Posez-vous des bonnes questions. Dites-moi, un journaliste sérieux, vous apprenez qu'on a tué. Boris Bertol s'est réjoui le jour de l'assassinat de Martine Zogo. Il le sait. Il a dit c'est bien fait pour lui. Je vous le dis, il ne peut pas le nier. Boris, je regrette de t'avoir connu. Je te le dis encore. On s'est connu à Yaoundé, on a fait beaucoup de choses ensemble, mais je t'assure, je regrette. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, je ne te laisserai plus faire ça. Regarde-toi dans un miroir, cher ami. Tu es jeune. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui, Martinez Zogo, on n'est pas toujours d'accord avec lui. Il a tiré sur moi dans le cadre de l'affaire Bonita et autres, même quand j'étais en prison. Mais nous sommes, il y a une question de principe. Si on défend les valeurs, défendons ces valeurs pour tout le monde. Ce n'est pas parce que peut-être qu'on n'est pas d'accord avec une personne qu'on doit accepter qu'il subisse un certain nombre de choses. Martinez Zogo est un défenseur acharné du régime de Biya. C'est connu de tous. C'est générique. C'était la voix de Paul Biya. C'est sa liberté à lui. Si nous prenons la démocratie, la liberté, et incarnons ces valeurs, on ne doit pas accepter que quelqu'un subisse un certain nombre de choses parce que on n'est pas d'accord ou parce qu'on a des batailles souterraines. Tu as prétendu que Martinez Zogo mérite ça parce qu'il a tué ou quoi que je sais pas ce que vous discutez ou qui construit la maison. Tu l'as dit, cher ami, reviens sur terre. Tout ce qu'on fait sur la vie, dans la vie, ça se résume à rien, Boris. Tu as des enfants. Je ne vais pas entrer dans ta vie privée ici. Il faut penser à ta progéniture, penser au futur. Penser, il faut laisser des traces dans ta vie, des traces positives, cher ami, positives, autant pour moi. Alors, comme je vous expliquais, pour revenir à ce sujet, quand donc, ces jours, ils ont publié une série d'éléments pour dire Eko-Eko a dit ceci, les éléments de la DG ont dit qu'il n'a rien fait, les éléments de la DG ont fait ceci. En réalité, j'ai parlé de mutation. Le Jeune Afrique, allez vérifier le jour, le messager, autant pour moi pas le jour, le messager, et plusieurs autres journaux que je ne vais pas citer ici. C'était à dessein. C'était des choses bien organisées, bien préparées pour jauger l'opinion. Vu que, comme on a constaté que les gens ne se sont pas trop agités, ils ont donc décidé de passer à la vitesse supérieure. En passant à la vitesse supérieure, donc, ils ont donc fait sortir ces documents. Et je dis, le document est signé du juge d'instruction Sikati Kambo 2. C'est lui qui a signé ça. Et c'est lui qui est encore revenu après une réunion qui a eu lieu hier au ministère de la Défense, au tribunal militaire. Pour moi, il est revenu faire ses démentis avec Belinda Serlin. C'est parce que c'est des batailles de clans. D'après mes investigations, des informations qui nous reviennent, il y a eu des influences en haut lieu. Les noms qui viennent sont notamment ceux de Mvondo Ayolo Samuel, directeur du cabinet civil, ami de Amogo Belinga. Ennemi politique, peut-être que sur le plan du leadership politique dans le Dja et le bord de Motazé, parce qu'il faut dire que c'est le parrain de l'actuel secrétaire général de l'Assemblée nationale, à la personne de André Noël Essien, ancien maire de Saint-Mélima, qui est poursuivi au TCS pour des histoires de malversations financières. Ce monsieur devait être en prison aujourd'hui. Mais son rapprochement avec Laurent Esso lui a empêché la prison. On a bloqué son dossier au niveau de la justice.
à travers les Amogo Bellingay. Amogo Bellingay était presque le patron de la justice avec son ami le roi Esso. Il faut le dire, que ça aille dans le sens, que ça marche comme ça veut. Alors, il est dans une bataille politique à travers son nom, qu'on a pu écarter, notamment André Nolessian, au profit de Motazé qui a pu positionner Sylvain Vondon, le patron de la ligne TAC 94, au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Voilà donc cette bataille. Donc, du FC, FC Task Force contre FC Ligne TAC 94. Voilà dans cette situation qu'on se retrouve. Donc, hier, nous apprenons donc, après pression faite sur le juge Sika Chidango, d'aucuns disent qu'il aurait perçu de l'argent, parle des milliards. Je crois d'ailleurs à cette version qui a eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent circule. Excusez-moi, je vais vous montrer quelque chose ici. L'ancien juge d'instruction qui a placé les Amour, qui a retenu le motif de... comment on appelle ça? Torture et autres. Qui a fait libérer bizarrement Bruno Bidjan. Pourtant, il dit dans le procès verbal que c'est Bruno Bidjan qui avait financé les membres du commando, que celui qui a porté de l'argent. Il est maintenu dans le procès verbal que Bruno Bidjan a envoyé un message à Paul Désir Biya en lui disant que voilà encore Martinez qui les provoque. Quand ils vont réagir, ça sera sans pitié. En cette période-là, Martinez refaisait les émissions en petit tiré sur Amogodan Linga dans le cadre de la ligne 94. Alors, aujourd'hui, ne serait-ce que ce message-là, je me suis posé quand même une question. Comment on a quand même pu libérer ce jeune homme? Qui sait ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait. On va arriver. Jeune homme, toi aussi, comment on est arrivé? Vous comprenez qu'il y a eu beaucoup d'énigmes. Après, on a retiré ce dossier. Remarquez que, ici, Ebessa, le juge Ebessa, c'est ce juge. Je vais vous montrer le véhicule en question. Une Lexus. Je sais que ce soit faux. On dit qu'il a même aurait perçu beaucoup d'argent dans le cadre de cette affaire, après ses rencontres avec l'une des épouses d'un des suspects. Voici le véhicule en question. C'est la Lexus. C'est garé ici devant sa maison. Je crois que ça devait être à Mamao et Bolov. Voilà ça. Ça, c'est la Lexus de ce juge-là. Il va peut-être nous expliquer comment, subitement, quelques jours après, il a eu cette Lexus. Je reviendrai dessus. Alors, quand cette pression est faite à travers le clan Motazé, parce qu'il y a aussi des noms comme ceux de Fandia, je souhaite que ce soit faux, vous allez comprendre pourquoi Bruno Bidjan a subitement commencé à faire un appel au peuple étant de se mobiliser pour soutenir les faits. C'est qu'il préparait ce qui est en train de se passer. Donc, ils avaient même mis l'équation de soulèvement. Allez sur sa page, vous allez suivre. Ces appels au peuple étant de se soulever pour se rassembler, s'unir, n'étaient pas fortuits. C'était à dessein, c'était toutes des choses bien préparées avec les sorties de Bertol, des jeunes Afriques et autres, c'était bien organisé. Alors, lorsque ces influences sont faites, parce que je voudrais aussi ici, il faut que vous le sachiez très bien. Il faut que vous sachiez dans quoi on se trouve aujourd'hui. Je vous ai donné des noms des personnes qui s'affrontent et il faudrait que vous compreniez des ramifications qu'il y a au niveau du sommet de l'État avec des personnes qui s'encrechoquent. Parce qu'il faut que vous sachiez que M. Eko Eko, patron de la DGRE, a une épouse qui travaille au ministère des Finances, chez lui pour Motazé, parce qu'il en a officiellement, quoi que 5. Et il y a une qui était au tribunal militaire. Elle était juge. Madame Eko, à Béga. Elle était juge au tribunal. Il y a une qui est au ministère des Finances. Et il y a une également, je crois qu'elle était responsable de la DGRE à Douala. Elle doit être actuellement, elle est gendarme, je crois qu'elle est colonel. Elle doit être peut-être, je crois qu'on l'a ramenée sur Yaoundé. Il faut que vous compreniez les mêmes. Le même Eko-Eko, vous allez comprendre la gestion du pouvoir. Le même Eko-Eko, permettez que je vous précise cela, n'est pas une parenté très loin de, comment on l'appelle, de Fambia. Je suppose que Fambia n'a rien à voir dans cette histoire. Parce que si c'est de cette façon qu'il s'apprête à venir gouverner le Cameroun, parce que des rumeurs disent qu'il aurait promis de tout faire pour libérer Amogo Bellinga en contrepartie que Bidjan doit leur soutenir sa candidature à travers les médias. Parce que la candidature de Fambia, même au sein du régime, ne fait pas l'unanimité. Écoutez-moi, c'est-à-dire ils sont divisés à ce niveau-là. Je vous prie de mettre énormément le cœur sur ce direct parce que je sais que ça. Il faut qu'on dise des choses telles que ça se passe aujourd'hui. Et il faut que ça stoppe. Il faut que ça s'arrête. Le peuple en a assez subi. J'aurais pu être à la place de Mathieu aujourd'hui parce que c'était une chaîne
On aurait pu commencer par moi. Donc, je prie les gens qui viennent faire des commentaires tendancieux d'arrêter ça très rapidement. Parce qu'il s'agit d'une vie humaine. Il s'agit d'une vie humaine. Et on ne joue pas avec une vie humaine. Alors, je vous parlais donc, vous allez comprendre les ramifications de Eco-Eco, Maxime, qui n'est pas loin d'être l'oncle maternel de Flandia. Il est présenté comme l'oncle maternel de Flandia. Et il est également lié à Mota. Vous savez que Motazé a été très proche de la première dame, l'ancienne Jeanne Irène. Et Jeanne Irène Bia était originaire d'Endon. Endon, c'est le village, bien évidemment, de Eco Eco. Donc Flandia, il est l'oncle, il est comme l'oncle de Flandia. Et c'est pourquoi des rumeurs disent qu'il aurait beaucoup intervenu. Alors, quand dans le document sort, après la pression qui a été faite par Vondo Ayolo, le juge d'instruction signe donc la libération de, comment on appelle ça, l'ordonnance de libération de Amougou Belenga et autres. Il remet l'ordonnance au niveau des avocats. Le greffier du moins notifie. Parce que la personne qu'ils veulent sacrifier, le commissaire du gouvernement, M. Belenga, ça ne marchera pas. Vous voulez sacrifier entre vous, Béthia, son mot. Attention. Si vous voulez sacrifier toute la chaîne, mais ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Bravo, bataille, là, faites tout ça. Nous, on veut la vérité. Dites au peuple qui a ça. Je sais que, je n'ai même plus espoir, hein. Excusez-moi, mes amis, il n'y a plus espoir. N'attendez plus rien dans ce. Tel que c'est parti, là. S'ils veulent qu'on ait encore un peu d'espoir, ou qu'on croit encore en eux, qu'ils fassent ce procès, que ce soit public et télévisé, que la CIA fasse le direct comme au conseil constitutionnel, qu'on invite les presse privées, qu'on laisse l'opinion juger. Parce que je vais vous dire, on n'a pas arrêté Amougou Belenga pour rien, non. On n'a pas arrêté Eco Eco pour rien, non. Le moment venu, vous y saurez. On ne les a pas arrêtés pour rien. Certes, il y a une bataille de pouvoir, mais c'est arrivé au niveau où le FC Task Force a profité sur une, entre guillemets, bêtise du FC Link 94, bam, pour marquer un but au FC Link 94. Vous voyez un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand le document, donc, pour vous le dire, est signé, arrive donc au niveau du commissaire du gouvernement. Je vais, pour ceux qui le savent, Belenga c'est l'un. Il y a ce qu'on appelle, dans le jargon juridique, au-delà, hein, parce que lorsque le juge a signé l'ordonnance de mise en liberté, généralement même, il devait péter une ordonnance de non-lieu. Parce qu'il a jugé, il a fait là comme s'il était le juge. Parce qu'il faut dire, l'affaire est encore en instruction, chez le juge d'instruction. Parce qu'après cette étape, après l'enquête préliminaire, il y aurait à suivre en matière criminelle. Après le juge d'instruction, il devait faire ce qu'on appelle la mise en barre. Ça veut dire quoi? Or, il devait renvoyer le dossier devant un juge à la barre. Les magistrats, je crois que c'est ce qu'on appelle les magistrats debout. Je ne sais pas que je sois expert, donc je crois que c'est ça. J'ai appris ça longtemps. Et c'est eux qui devaient faire donc un procès où on appelle les gens en audience, les parties, les témoins, les avocats viennent défendre. Donc lui, à son niveau, devait finir l'instruction, soumettre l'affaire au niveau d'un juge à la barre, pour qu'il y ait un procès public, parce que comme vous voyez là, les gens assistent dans la salle pour venir assister à l'audience, mais il n'a pas fait. Il a signé une ordonnance de libération. S'il y avait une ordonnance de non-lieu, il fallait qu'il se... Il a agi là comme s'il était un juge qui décidait, non. Il n'a pas qualité de dire que l'affaire, c'est... Il envoie ça chez le juge à la barre. C'est le juge qui fait un procès, il confronte les parties en fonction des éléments qu'ils ont pour décider de la suite. Écoutez-moi, Crédien. Alors maintenant, quand il signe donc cette ordonnance de mise en libération, quoi? Le juge, je crois, c'est quoi? Le greffier notifie les parties. Parce que c'est entre eux, il y a aussi le juge, le directeur de la justice militaire, le monsieur Sipa. Vous-même, vous allez répondre de cette mascarade-là. Alors, quand j'ai l'information, j'ai publié hier qui Tchungang a confié, et les gars se vantaient, ils avaient à tout acheté, j'avais toutes les informations, ils avaient à tout préparé, hein, pour célébrer la libération. Tout était mis là. Que non, ici là, c'est le dernier niveau. Alors, quand ils ont fait ça, j'ai mis cette information de haut. Regardez bien. Que vers la libération, ils disaient que l'ordre serait venu de haut lieu. C'est en ce moment que ils envoient donc
les éléments à Boris, de publier rapidement, parce que Boris travaille avec les Chungang et autres. Remarquez qu'il n'a jamais pris une position en faveur de Martinez Ogo. Ça devait même aller de soi, mes chers amis, qu'on est Martinez Ogo ou pas. Rassurez-vous, je ne peux pas concevoir, on doit d'abord défendre l'intérêt public. Parce que ce qui arrive à Martinez Ogo arrive au Camerounais lambda. J'ai échappé l'année passée, après avoir publié une photo de Motazé à Mugubelinga, où j'ai mis vivre la ligne 94. Le lendemain, on m'a enlevé. Même scénario. Des gens, lorsque nous, on les investiguons au tribunal militaire, nous ont dit que c'est les mêmes agents de la DGRE. Qui étaient donc cachés derrière? Pourquoi il y a toujours ce lien, ligne 94 et autres? On veut comprendre. Alors, du coup, tant que cette histoire arrive, donc, c'est l'un Belinga doit délivrer ce qu'on appelle quand le document, l'ordonnance arrive. Parce qu'avec ce document, le juge, la prison ne peut pas le libérer. Donc, vous ne pouvez pas présenter ce document en prison pour qu'on libère un détenu, non. Il y a maintenant une autre étape qu'on appelle la levée des clous. La levée des clous, c'est comme un bulletin. Même quand vous sortez de prison, moi, j'ai eu ce document. C'est comme un bulletin qu'on vous remet. C'est un document qui certifie que vous êtes sorti de prison suite à la décision. C'est ça qu'on présente au régisseur. Et il y a maintenant ce qu'on appelle le CDAC en prison. Le chef chargé du bureau de discipline, je crois, c'est le CDD, il est aussi au chef de la prison. Il signe ce document. Le concerné, c'est-à-dire le mis en cause, notamment dans mon cas, c'est le mis en cause, c'est lui qui est prévenu ou détenu, signe aussi ce document. Et là, il sort ça. Avec ce document, on lui remet ça comme un bulletin. Donc, sans ce document-là, il ne pouvait pas sortir. Donc, il revenait maintenant au commissaire du gouvernement. Quel est l'équivalent? Parce que là, on est dans le cadre, dans l'affaire militaire, parce que il y a, comment on l'appelle, le procureur, on est là en juge, dans la justice militaire, donc on les appelle, l'équivalent du procureur, c'est ce qu'on appelle le commissaire du gouvernement. Donc c'est lui qui devait signer ce qu'on appelle la levée des clous. Et c'est avec cette levée des clous là que les gens devaient aller en prison présenter et le procureur devait libérer. Sans document, sans ces documents, ils ne pouvaient pas les libérer. Donc c'est à ce niveau que c'était bloqué en fait. Donc, quand le camp Task Force, après cela, ils tombaient de nu parce que les gars étaient surpris. On a voulu prendre les gars directement de coup. Parce que quand Belinga Selin a bloqué le document, il n'a pas signé la ligne, le comment on appelle ça, la levée de coup. Et quand le camp de Task Force, ligne 94 a fait publier le document, ou même les gars sont, c'est le contre-amiral qui va rencontrer, parce que quand Vondo Ayolo, d'après les informations que nous avons, fait contact le juge Sikati, il lui fait savoir que c'est l'ordre de la présidente de la République. Remarquez que c'est la même chose qu'ils ont fait. J'ai publié un texte où je disais qu'on a fait tromper Paul Biya avec un document disant que Kavaï a proposé de nommer André Nolessal comme SG l'Assemblée nationale, alors que c'est faux. Kavaï ne se reconnaissait même pas dans cette histoire, mais étant tenu, qu'est-ce qu'il devait faire? Donc, comme ce coup-là est passé à l'Assemblée nationale, ils ont directement dit que bon, comme ils préparaient l'autre coup, parce que, je vais vous dire quelque chose. Si André Nolessal ne passait pas l'Assemblée nationale, le camp FC Ligne 94, ils avaient préparé une émission sur Vision 4. Ils avaient même payé les panélistes qui devaient venir intervenir le dimanche là. Donc ils devaient laver le camp FC. C'est des bonnes guerres, c'est entre les batailleurs du clan pour le pouvoir. Ils devaient blocader l'homme à la punk, Ferdi Gré à Gré. Donc les gars devaient les blocader copieusement parce que c'est-à-dire que Gré à Gré devait anticiper. Donc, comme le hold-up là est passé, ils ont dit, waouh, comme le gars a reculé, les gars continuent avec ce qu'on appelle en prison le jargon de la prison, le cabla-cabla, c'est-à-dire le coup de force. Vous voyez un peu, c'est donc à ce niveau que le contre-amiral va rencontrer le président, d'après les informations qui nous reviennent. Vous demandez, mais bien, lui, il est là aussi comme un moribond, vous savez que le terrain là, il est fini. Si on ne comprend pas pour bien, parce que quand vous voyez un père à l'âge là, si on laisse pas bien sûr, vous allez le trouver, il sera même pas même se trouver, c'est là la poste centrale en train de marcher lui-même contre lui. Parce qu'à l'âge là, il ne maîtrise plus rien. C'est normal. Il est vieux. Il ne maîtrise plus rien. Donc le gars, un vieux, vous avez vu un vieux au village, non? Il peine le nord. Vous l'abandonnez, il va sortir, il va commencer à marcher partout. Il devient avec des amis et tout ce qui entre là. Vous voyez un peu? Donc, du coup, nous apprenons que le président dit non, il n'est pas au courant. Ce n'est pas lui qui a pris cette initiative là. Pour retourner dans la fourmilière, dans la ligne, au sein de l'ordre 82. Bam. Le camp FC, ligne 94, qui venait de marquer un but à FC Task Force, la VAR s'invite, bam. On annule le but. Voilà comment, réunion d'urgence. Belinga Selin arrive. On dit à Sikati que tu vas re-signer, mon ami. Tu vas dire que c'est un fake.
Les gens bavardent là qu'il est. Si c'est Kati, constate que c'est. Remarquez, c'est pourquoi Tchunga est allé à RFI font le bruit là. Même Tchunga, il veut me dire autre chose. Attendez. S'ils estiment que véritablement le document a été un fait, mes chers amis, ils veulent sacrifier le greffier. Je sais ce qui se passe. Ça ne marchera pas. C'est toute la chaîne. Et je vous dis, ne croyez plus à la justice camerounaise, je vous assure. Sur le régime de Biani, ne comptez plus. Si vous voulez que Dieu soit Dieu, n'ayez plus espoir sur ce pays, même pour avoir le soleil. N'ayez plus espoir. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun espoir. N'attendez plus rien de ce régime. Soyez pragmatique. N'attendez plus rien. Le pays, ils ont pourri le pays. Ils ont pourri le pays. Vous comprenez? Ils ont complètement pourri ce pays. N'ayez plus aucun espoir. N'attendez plus la justice dans l'affaire. Même si ceux qui sont assassinés sont quoi? Ils sont là. Mais ils ne sont pas là. Les qui ont fabriqué, c'est le même gens. Tous les Amougoulèbes, c'est les gens du système. Ils sont en train de se bouffer entre eux. Les Sardinas sont en train de bouffer. C'est entre eux. Du coup, c'est pourquoi j'ai dit ici que s'il n'y a pas un procès public, parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on va orienter. Parce que quand ils vont finir, on va revenir. S'il n'y a pas un procès public où les médias filment, n'attendez que ce... Mieux ils font ça comme ça et que chacun d'entre nous tire ses leçons. Comment? Vous voyez que dans le même document, le juge Sikati dit quoi? Que Dangwe a dédouané Amougou Belinga. Soyez un peu sérieux. Un même juge qui est venu, un même gars comme Dangwe, qui a dit, c'est mentionné dans le procès verbal, qu'il a envoyé, que c'est Amougou Belinga qui l'a envoyé. Qu'il a agi sur l'ordre d'Amougou. S'il revient, dit que ce n'est pas le don, le juge, pour croire à quelqu'un qui se concrédit en 2 et 3 minutes, une question. Monsieur Sikati, où sont passés les téléphones de Martinez Zogo? Pourquoi vous ne dites pas à l'opinion publique ce qui en est du contenu des téléphones de Martinez Zogo? Parce que les parties des téléphones de Martinez Zogo sont là. Je parle à témoin à Nongefa Fidolente, avec qui nous sommes allés au niveau de N'Golo Kondi, on a enlevé Martinez Zogo. Le commandant a dit que les téléphones, il a cancellé les téléphones au niveau de la Légion des Gendarmeries. Après exploitation de ce téléphone, on a constaté que Martinez Zogo échangeait beaucoup avec Niassa Soleil. Niassa Soleil, très proche de Amougou Belinga et Motazé. Et ce jour, Martinez Zogo, c'est Niassa Soleil qui me l'a dit. Écoutez, cette partie. Comment je reçois l'affaire Martinez Zogo? Il y a un journaliste. Parce que Martinez Zogo, il faut le dire, était très régulier à Mobile Omnisport chez Niassa Soleil. Il se fréquentait beaucoup. Le journaliste m'appelle. Il me dit, Paul, j'étais avec Martinez hier. Subitement, on s'est séparé des 16 ans. Mais depuis 20 ans, son numéro ne passe pas jusqu'à maintenant. J'appelle ses numéros, rien ne passe. Ni chez lui, ni à la radio. Sa femme pleure partout. Je le parle devant. Il s'appelle Serge Abena, directeur du publication du journal La Cible. Allez l'appeler, vous vérifiez. Vous allez comprendre pourquoi le jeu que Boris a voulu jouer, en voulant m'impliquer que j'ai vu Martinez, j'étais la dernière personne à voir, jusqu'à dire qu'il m'a donné, j'ai demandé de l'argent. Cher ami, à un moment donné, il faut te regarder dans le miroir. Assassin, je te traite d'assassin. Alors, quand je fais cette publication, Niassa Soleil, que je connais également, a pris son téléphone. Il m'a appelé. C'était un lundi, je crois, où on m'a dit, j'étais chez moi, au salon. Il me dit, Paul, tu annonces que j'ai dit, j'ai appris que Martinez Zogo est porté disparu. C'est Serge Abena qui m'a annoncé, parce qu'il était avec lui, j'ai appelé les téléphones partout. Ça ne passe pas, même à la radio, même son épouse est en train de pleurer. Qu'est-ce que Niassa Soleil me dit? Écoutez-moi bien. Il a parlé et je parle. Si vous avez une conscience, parce que ce que vous faites, je crois au Kama, le sang que vous jouez avec. Il m'a dit, devant son fils, le cas Soleil, celui qui travaille à Soleil FM, là, celui le directeur, le chef de chaîne, c'est son neveu ou son fils. Il m'a dit au téléphone, écoutez bien, et ma compagne était à côté, elle suivait. Paul, Martinez Zogo, reste tranquille, petit. Non, il s'est caché, écoutez-moi bien. Il s'est caché. Niassa Soleil a été entendu à la Légion des Gendarmeries. Sikati, pourquoi vous n'entendez pas Niassa Soleil? Quels sont les contenus des téléphones de Martinez Zogo? Quand vous faites des rapports de l'antique qui attestent qu'il y a une conversation entre Amougou Belinga et Dangwe, et que Dangwe, Amougou a demandé à Dangwe de donner une correction à Martinez Zogo. Pourquoi vous ne sortez? Faites un procès public, on va se parler. Vous avez écrit, je vais vous dire, j'ai accepté de défendre de me comparer, parce que Martinez Zogo m'a appelé une semaine avant, pour me dire que Amougou Belinga, je cite,
a dit qu'il va le tuer, me tuer. Parce que Martinez a filé depuis novembre, c'était au moins pendant 2 mois. Donc le jour qu'il m'a donné le document le 28 décembre, là, ça veut dire que les gars là me voient. Donc tous ceux qu'il rencontrait là, les gars notaient. Il y a une maman à Vision 4. Je ne donnerai pas son nom. Elle va se reconnaître. Je remercie cette maman. Il y a des gens justes. Pour la poutine, je ne donnerai pas son nom. Qui m'a aidé. Les réunions qui ont été tenues où mon nom a été cité, cette maman m'a aussi aidé. Par le couchement des personnes, elle a tenu à m'informer. Je remercie cette maman. Je lui serai reconnaissant à vie. Il y a des mamans encore maternelles. Il y a des réunions qui ont été tenues et qui ont confirmé la thèse de Martinez Ogomadi. Je ne fais pas dans la langue de bois. C'est moi qui écris au commissaire du gouvernement. J'ai mis un audio de Martinez Ogomadi. Et ça a confirmé la thèse de cette maman que Amougou Beninga a décidé de le tuer. Me tuer, tuer Amal Mana, Blaise Envier, Georges Baola, Christophe Bobiokono, qui subitement est devenu son grand défenseur. Il y a même Bobiokono Kalara qui est dans ce jeu, qui avait déjà préparé l'opinion que les gars n'ont rien fait. Il devient déjà très suspect. Notez les noms de ces journaux-là. Et il y a un peu, il faut qu'on en fait, on est dans une phase très sérieuse de notre pays. Et il ne faudrait pas qu'on joue avec. Parce que si on fait attention, si on rate le tir, on va se retrouver dans la même situation. Nos enfants vont subir plus que ce qu'on a subi. Alors, nous avons un combat qui nous interpelle et un combat de notre époque. Nous devons nous lever, même au prix de notre vie. Ça ne passera plus. Désormais, j'ai dit, c'est un break. J'arrête, il y aura rupture. Montrez les rêves, vous serez tous affichés. Ça va s'arrêter à ce niveau comme ça là. Alors, Martinez Ogo me passe une information une semaine avant. Curieusement, on l'enlève, on l'assassine. Nyassa Soleil, je vous le disais, me dit que, comme Amougou Belinga, souvenez-vous, cette même période-là, Amougou Belinga a déposé une plainte contre Jacques Blaise Envie au niveau de la PJ, je crois, la direction de la police judiciaire à Yaoundé. Alors, Martinez dit, Nyassa Soleil me dit, il est là, s'il écoute, ou les gens que je suis là, ils appellent sur mon téléphone, j'ouvre, on discute, ils appellent, mon téléphone au WhatsApp est ouvert, ils appellent, je cite les noms, vous pouvez les appeler, les gens qui les connaissent, appelez-les, je vais les confronter ici. Alors, du coup donc, il me dit, Paul, laisse l'affaire là mon frère, c'est moi qui te dis, j'étais avec Martinez hier, il était même ici là, il a mangé les petits poissons avec moi ici hier, le cas était bon, voilà le cas, il m'a dit qu'il devait se cacher, comme Amougou Belinga a décidé d'arrêter... comment on l'appelle? Jacques Blaise Envier, lui va se cacher parce que il a décidé que il va déposer aussi plainte contre lui. Il a même fait fuir le DP du journal La Cible, Abena, Serge Abena, parce qu'il a même dit à Abena le jour là que la police le recherche, Abena a fui, il allait se cacher, il avait peur. Le même Yassama dit ça, mais à un moment donné, j'ai failli. Parce que Nyassa est trop lié, il connaît beaucoup Martinez. C'est les gens du système, parce que Martinez aussi, malheureusement, ce qui fait mal, c'est que tous ces gens qui défendent Paul Biya finissent mal. Martinez, c'est un gars qui a défendu le couple Chantal Biya et Paul Biya à un niveau. C'est Christ. Regardez comment il meurt, regardez ce qui se passe. Vous voyez, ceux qui défendent ce régime de criminels, vous voyez comment la fin. Martinez a dit, Martinez ne veut même pas mourir de cette peur. Puis Martinez a même eu l'information. Il a informé, je ne sais pas quel commissaire, mais on sait qu'il connaissait aussi bien Mbagangele. C'est connu que Martinez connaissait Mbagangele. Pourquoi Mbagangele ne l'a pas protégé? Pourquoi Ngongo, que Martinez connaissait aussi, monsieur Ngongo? Vous connaissez Martinez Zogo? Votre femme le connaît? Votre femme l'appelle mon fils? Je l'ai su comment? Il y a un jeune que la femme de Ngongo a confisqué les mamies avec la femme de Bina Bidon. Il est venu faire les cérémonies qu'on recevait, je crois que c'était les qui venait de... Il y avait un sommet là. Je vais revenir peut-être dessus, les dates, c'est dans les archives. Donc, la femme de Ngongo a confisqué les mamies du type, elle n'a pas payé. Le gars est venu me voir, le gars est vivant. Il est vivant. Il est venu me voir, il m'a exposé le problème. En ce temps, donc, j'ai appelé Tuile, comme je disais à Tuile, que gars, je souhaite qu'on intervienne, il faut qu'on fasse une sortie sur l'affaire du type-ci. Tuile me dit non, laisse. J'appelle Martinez. Martinez connaît bien la famille de Ngongo. C'est comme ça, donc, je suis même au courant que Martinez. Je n'ai même jamais rencontré ce Ngongo, même pas Azani. Je dis encore ici, et je mets quiconque, vous allez beau dire tout ce que vous voulez dire sur moi, vous ne verrez jamais mon nom dans ces conneries. Je ne me vante pas. Si vous allez chercher, faites tout ce que vous voulez. Je sais une seule chose, c'est que je suis quelqu'un de très chanceux. Parce que je mesure encore l'ampleur du risque et dans quoi je ne serais plus en vie aujourd'hui.
Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et vous savez, dans la vie, chacun a une mission. Et je crois que j'en ai une. Et je n'ai pas fini ma mission. Dieu envoie chacun sur terre avec une mission. Je n'ai pas fini ma mission. Alors, c'est ce jour que je me rends compte. Donc, Nyasasuna me dit ça. Je reste, je dis, mais j'ai même voulu croire. C'est en ce moment que je quitte chez moi, j'appelle mon ami, il que demande le véhicule. Je prends Anongefak à Canal 2. Je prends Fidolonke au niveau de Raingusso. C'est comme ça qu'on va en Kondi. On trouve donc le véhicule de Martinez regaré à l'intérieur de la brigade avec les pare-brise de cassés. On voit même les traces des pare-brise au sol, des traces de violon et tout ça. Et on voit aussi le commandant qui témoigne, comme je vous l'ai dit, que les téléphones sont restés hauts. Et les virulents qui témoignent qu'effectivement, que c'était explosif, il y avait un Prado qui arrivait. Le commandant nous a même dit qu'il était en haut parce que les nouvelles gendarmeries, là, il y a les logements du personnel là-dedans, au sein de l'agent. Il était là en haut, sous perfusion. Parce qu'on lui a reproché pourquoi on n'a pas réagi. Donc les gens, les riverains nous disent que. Oh là là. Que c'était tellement expéditif. Ces gens sont venus. Que Martinez a cogné. Ah, il est sorti de la vue. Il a voulu escalader. Il est tombé. C'est comme ça que les gars l'ont électrisé. Ils sont partis avec lui. Mais quand j'ai suivi ça, je me suis posé la question. Martinez pour simuler son enlèvement, doit-il lui une Prado? Doit-il simuler, appeler les gens, faire tout ça? Et quand Nyassa fait ça, remarquez que Boris Bertol vient publier pour dire que Martinez il a fait, voulu tourner ça en dérision. Que Martinez a simulé son enlèvement. Vous vous attendez qu'un gars comme ça vienne vous dire la vérité. Il a pris un temps en position, il faut le dire, défend Amougoubéling. Ne tournez pas, c'est pas si vous ne comprenez pas ça, ça vous regarde. Il a décidé de défendre les oppresseurs. Pour lui, il n'a d'amour que pour de l'argent. C'est tout. Il faudrait qu'on n'ait plus l'espace public maintenant. Ça ne doit plus se passer comme ça. Le peuple camerounais a assez souffert pour qu'on joue avec eux. Alors, c'est comme ça que. Je rappelle Nyassa pour lui dire qu'il fasse très attention, que c'est la dernière fois qu'il joue. Lui et moi, Nyassa au juge, on ne se parle plus. Hein. Même de son forum, c'était bon. Parce que si quelqu'un arrive à ce niveau, vraiment, c'est quand même fort. Si quelqu'un n'a pas peur de l'être. C'est le même Nyassa qui vous a dit qu'il allait témoigner. Il était dans le camp d'essayer de pouvoir voler les informations, jouer les indics. Vous voyez un peu. Et du coup, donc, voilà comment la situation se passe. J'informe. Et le même Boris vient dire qu'il était, il évite de dire Nyassa. Nyassa qui est la courroie, on connaît même les circuits, Boris. Tu continues, on va sortir tous les circuits de transactions entre les Moutazés, Nyassa Soleil. Je ne cite pas la mère de ton épouse, de ton fils, que je connais, n'a rien à y voir. Et que tu sais que je connais personnellement, je connais et ton père. Je ne citerai pas, mais arrête ça maintenant. Soit tu prends officiellement position que tu as avec eux. Tu assumes, on va respecter ta position. Ne fais pas semblant. On ne fait pas semblant. Les Camerounais subissent tous les jours pour que vous continuiez à jouer à ces jeux-là. C'est fini. Alors, pour donc être revenu donc au sein de ce sujet, c'est donc comme ça que Boris publie jusqu'à dire que moi, Paul, j'étais avec lui. Et qu'il a fait six ans. Nyassa Soleil a été entendu à la Légion des gendarmeries. Parce qu'après exploitation du téléphone, on a remarqué qu'il était constamment en échange avec, ben, comment on l'appelle, Martinez Ogo. Et Martinez a été régulier à la mobile Omnisport. Nyassa Soleil, ami de Amougou Belinga, il ne se vante pas d'ailleurs qu'il est un très grand ami à Moutazé, qui lui a donné 150 millions pour ouvrir sa radio à mobile Omnisport. Il faut le dire. Oui. Pourquoi la commission n'a pas entendu Martinez Ogo? Pourquoi Sikati n'a pas entendu Martinez Ogo? Moi, j'ai accepté parce que j'ai été notifié par le ministère de la Justice d'Allemagne à travers Reporters sans frontières qu'on se téléma. Je dis oui, je suis gay. J'accepte même en tant que, à travers ce que Martinez m'a dit, dès que témoin de la famille. Aujourd'hui, j'accepte de défendre la famille parce que l'intérêt, c'est que la vérité soit sûre dans cette histoire. J'ai accepté gré. Mais le même Sikati, subitement, nous soit un dossier qu'il a libéré à Mougou. Vous voulez, vous notifiez que je viens témoigner quoi? Vous voulez donc que je témoigne quoi? Je parle de quoi? Vous l'avez libéré, vous voulez qu'on parle de quoi? J'ai écrit une lettre publique, monsieur Sikati. Je vous ai envoyé un extrait. M'avez-vous contacté? Avez-vous pris la peine même d'aller à Orange et faire le listing de ce que j'ai écrit? Vous n'avez pas pris la peine. Alors, du coup, comme cette histoire se trouve à ce niveau-là, voilà comment. Sikati, donc, hier, après pression, a signé. Et vous voyez que le juge, même lui-même, Bélinga Seller, est lui-même aussi revenu. Il est revenu signer aussi lui-même. Parce qu'il y a eu deux, en dehors de Sikati, il y a eu le commissaire du gouvernement, Bélinga Seller, qui est aussi venu. Il y a eu d'autres pour dire que c'est un fake. Mais malheureusement, ce n'est pas un fake. C'est des influences
dans la bataille de pouvoir entre FC Linta 94 et FC Tax Force. Donc, quand FC Linta 94 a marqué au but, FC Tax Force a dit non, le but là ne passe pas. Annulation. Bon, dans les batailles là, faites vos batailles comme vous voulez, nous verrons, ça voit la lumière sur cette affaire. Mais maintenant, à travers les éléments donc qui nous reviennent, il est clair qu'il y a eu échange. Parce que vous savez, dans les pays sérieux, le procureur même communique pour éviter toutes ces mascarades. Remarquez que quelques jours avant, il y a eu des communiqués. Le jour, le mutation, le messager, jeune affiguré. Ils ont engagé une série de communications là. Allez, ils ont ça dit que c'était bien organisé. Bizanvien aussi, boum, il faut que les écrans se rassemblent. C'était pour préparer l'opinion. Vous voyez? Parce que si vous voulez juger, comme vous ne réagissez pas, boum, ils sont passés à l'offensive. Avec les motas, comment on appelle? Vondoyolo. Vous voyez un peu? Voilà donc dans quel engrenage on s'est trouvé. C'est donc comme ça que le document a été annulé hier. Si Sikati estime que c'est faux, vous êtes d'accord avec moi que logiquement, qui dépose une plainte donc contre les Tchungang et autres, qui disent que c'est lui qui a reçu cette notification, que c'est lui qui a signé. Mais nous avons appris que quand Benin Gasselin a appris ça, il a même fait savoir aux autres qui veulent un peu voir, percevoir la notification. Parce que bon, je me demande, hier quand j'ai posé la question, ça va, pourquoi Vision 4 ni Tchungang sont calmes? Beaucoup ont voulu, n'ont pas compris. Je vous ai toujours dit, apprenez à me lire en second plan. Si vous ne comprenez pas, ne me lisez pas sur les mots, lisez. Je parle, je communique beaucoup codé. Posez des questions, parfois je réponds en commentaire. C'était pour vous dire qu'eux-mêmes, ils savent que le Kung Fu est mort. Le Kung Fu est mort, même, ils n'ont même pas fait allusion. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Parce que le Kung Fu, ils sont morts dans leur propre film. Vous voyez un peu? Donc, du coup, quand Belinga Selin constate ça, il appelle les gars qu'il veut un peu voir le document de notification. Il a retiré les parties avec ça. Donc, les Kung sont coincés. Le document, là, le gars a retiré ça. Parce qu'au moins, avec ces documents, ils pouvaient au moins faire des conférences de presse, sauf s'ils présentaient ça à l'opinion publique. Ils ont retiré. Mais maintenant, la personne qu'on veut sacrifier, là, c'est le greffier. Et ne soyez pas surpris. Suivez bien, vous allez voir qu'on va limoger les gars là-bas. On va limoger les gars là-bas. Voilà donc un peu, en réalité, dans quoi on se trouve aujourd'hui. Alors, ils savaient que c'était une réalité tentative. Au sortir de prison, les gars devaient partir. Ils devaient partir. Beninga, le juge dit que Dangwe a dit qu'il dédouane, il a dit que. Bon, soyons sérieux. Pour des journalistes qui vous font un travail professionnel, comment jeune Afrique peut aller prendre le communiqué des avocats de Dangwe dans une affaire où il y a plusieurs parties? Ils veulent juste te donner l'impression que l'autre n'a rien fait. Pourquoi ils n'ont pas pris l'avis de Maître Calvin Diop, l'avocat de la famille, ou Maître Zevman, ou Maître Hakim Tchergil, les avocats de la famille de Martinez Ogo? C'est au moins ça l'équilibre. Pourquoi ils n'ont pas pris les avis des autres camps? Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu dans cet engrenage de bataille entre FC Tax Force et FC Linta 94. Donc, l'un des membres de FC Tax Force, Linta 94, notamment, Vondoyolo, a pu faire l'influence avec l'agent qui a circulé. C'est Katia a donc signé ça. Sans même notifier, informer sa hiérarchie qui est le ministère de la Justice et de la Défense, parce qu'il est colonel, lieutenant-colonel, et le commissaire du gouvernement. Donc les gars étaient tombés, étaient pris de coups, mais ça c'est où les gars ont dit, mon ami, réunion de crise. Et remarquez que dans le texte que j'ai fait annoncer, ça, j'ai bien dit qu'il y avait une réunion de crise parce que c'est bloqué au niveau de la levée des fous. Parce que sans la levée des fous, ils ne peuvent pas sortir de prison. C'est un document, c'est un seul format. C'est ça qu'on présente devant à la prison au régisseur pour que les concernés sortent de prison. S'il n'y a pas ce document, malgré l'ordonnance, ils ne pouvaient pas sortir. Donc apprenez, c'est aussi bien pour la culture générale, vous pouvez vous renseigner. Moi j'ai fait la prison, je connais comment ça se passe. Moi-même, quand on a signé, on a ordonné ma libération. Si ce document-là ne venait pas, je ne sortais pas. Parce que c'est ça qui notifie le régisseur. Je signe, donc je signe, et puis maintenant là, il sort. Et donc il ne pouvait pas sortir. Donc c'était bloqué à ce niveau-là. Vous voyez? Donc voilà un peu au niveau où on s'est situé dans le cadre de cette histoire. Mais maintenant, parlant des responsabilités, alors, je vais revenir un peu pour attirer vos cantations, pour comprendre des choses. Si Belinda Selin, Tika Tikao, la marionnette, parce qu'il faut que lui, si on reste encore, vraiment, lui, alors même, c'est même très grave, parce que quelqu'un n'a pas signé, j'ai dit qu'il a signé, s'il dit que ce n'est pas lui, portez plainte donc, on voit. Portez simplement plainte, si c'est un fait, parce que ça veut dire portez plainte, c'est lui, je vous dis encore, je répète, c'est lui, avec influence des membres de la taxe de l'Inta 94, notamment les vendeurs dont les noms reviennent, c'est lui. Après la pression, on a dit, mais c'est quoi, il est venu retirer. Mais sauf que, il faut dire, il n'a pas signé ce document sous la motivation du fait, simplement parce que ces gens-là sont innocents, non. Non, il ne l'a pas fait en son âme et conscience. S'il avait au moins fait à son âme, à l'appréciation des faits, on aurait pu comprendre. Vous comprenez?
C'est simplement parce que c'est pourquoi j'ai dit encore, au moins pour que l'opinion publique soit clarifiée, que vous faites un procès. Moi-même, j'ai attendu 2 ans. Non? J'ai même interjecté après parce que j'estime que on m'a accumulé. Je suis allé en apporter les preuves. Je n'ai pas besoin de venir sur les réseaux sociaux faire publier ça. Non, je n'ai pas attaqué la justice avec mes preuves. Pas besoin de faire du bruit. Et jusqu'au jour, je suis en appel. J'ai mes preuves. Que ce n'est pas moi, les faits qui me sont reprochés, l'antique les a authentifiés en matière de cybercriminalité. Vous voyez un peu? Du coup, donc, dans cette bataille donc, où le but est entre Link 94, Link 94 qui menait déjà Task Force, là va venir, mais que, boum. Bon, maintenant, ils sont à FC Task Force et FC Link 94, mais nous devons rester tous vigilants. C'est pourquoi je dis que tout ça, c'est parce que le bateau est en train, le Cameroun est en train de couler, le Cameroun n'est plus dirigé. Biya étant laminé, fini comme les funérailles. Les gars qui sont autour, chacun s'accapare de son petit pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec le DICAP? Il vous a dit, oh, Hakim ne parle pas. Et Kavaya même dit que lui-même, il est là. Vous voulez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est bloqué. Et je vous dis que peut-être que c'est parti là, c'est compliqué même pour qu'il y ait des décisions, même un remaniement. Que c'est là compliqué. Je peux vous jurer que si on fait un remaniement aujourd'hui, on enlève soit Motazi, soit Laurent Esso, soit Ngongo. L'une des six, que peu importe celui qu'on enlève entre les pontes, les éléments de ces batailles, d'une part Task Force, FC Task Force et FC Link 94. Les gens vont vous dire que ce n'est pas Paul Biya. Les gars vont vous dire cache-cœur. Que Paul Biya lui-même se place à la CIA TV. Ils lisent ça. Les gars vont vous dire qu'il ne soit pas, il n'accepte pas. Parce que, on ne sait plus. Chacun a pris sa part de que, oh, délégation, vous avez vu. Au lendemain de l'élection, j'ai même dénoncé ça. Subitement, Ngongo a eu la délégation de signature permanente. Sous haute instruction. Sous haute instruction. Maintenant, c'est le haut. C'est Ngongo, le véritable président avec Chantal Biya. Il est vice-président, Chantal Biya est présidente. C'est ça, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Voilà comment le Cameroun se porte. Tous ces gars ont décru, c'est une question systémique. Les gars ont décru le Cameroun. Complètement. Et on se trouve dans cette cacophonie qui fait honte à l'image de notre pays. Quel pays peut encore prendre le Cameroun au sérieux? Même au niveau du document officiel. Je vous dis, les gars, même vous qui avez des petits postes là, si les gens vous limogent, je vous dis que vous ne partez pas. Donc, mieux là, soit on arrange, soit on arrange, soit on gâte. Comme c'est gâté, ça se gâte partout. Vous comprenez un peu que ça se gâte partout. Comme ils ont décidé que ça se passe comme ça. Et il y a tellement une bataille au sein entre ces gars. Et cette bataille s'étend, ce que vous ne comprenez pas. Et il y a toujours l'élément central, Boris Béton. Regardez de l'affaire Cyrus Ngo, avec l'affaire Lazare Atou et les trucs de résidus, de même des postes et autres. Au sein même de la justice a donné gain de cause. D'abord, je suis tenu par les rangs et sous parce que Lazare Atou, c'est le type de rangs et sous. Il faut lire. Le problème aussi des Camerounais, c'est qu'ils ne lisent pas. Parce que si vous lisez, vous êtes au courant de ce qui se passe au pays. Vous serez vous révolté du jour au lendemain. Bon, on est trop intéressé, trop au Congo. Il faut prendre la peine de comparer. Je vous ai donné les noms. FC Link 94, Motazi, avec l'avant-centre, Amougou Belinga. Donc, c'est lui comme il est auto là, il se passe qu'au devant, il s'agit. Vous savez que l'école aussi, il s'agit beaucoup. Et il expose ses gars. Laurent Esso. Motazé, bon, Motazé, le Vendoyolo, il ne s'attend pas aussi trop dans les batailles politiques. Jamais, progressivement, Amougou derrière se vante d'aller les avoir réconciliés parce que je suis dit qu'il a demandé qu'il faut qu'il se réconcilie pour protéger les biens. Parce que c'est l'homme liche de tous ces gars. Il se dit que c'est ces gars qui pillent l'argent, c'est derrière Amougou, tous ces investisseurs. Parce que Amougou, il ne peut pas justifier d'où il a pris cet argent. Rien. Il ne peut pas. Curieusement, depuis que Motazé était minipat jusqu'au minifi, ces lignes-là, c'est seulement Amougou. On lui pompe de l'argent. C'est que, en fait, il est l'homme liche, il se cache devant. Pour nous blanchir, pour protéger ces gars qui pillent les caisses de l'État. C'est ça le problème. Et maintenant, sa position en question met ces gars mal à l'aise. Ça bloque le business. Vous voyez un peu? Ça bloque. Ils vont maintenant créer le schéma dans le schéma. Il y a un schéma en aval. Il faut maintenant créer. Parce que, à mon goût étant là-bas, c'est lui qui est devant qui gère le business. Le prêtre, non. Il faut que les gars ont intérêt à ce qu'ils sortent. Parce qu'il s'est dit que même Vondoyolo et Arsenal, il semble aller savoir à qui appartient Vision 4, le nom de Motazé, Vision Finance, le nom de Vision revient. Et les Laurent Esso et autres. Et que se passe avec Laurent Esso? On vous dit que, par exemple, le cas de Assam Bono, on vous dit que même Motazé a des documents compliqués sur lui, des détournements, mais c'est bloqué au niveau de la justice. Comment ça se passe? Amougou étant très proche de Laurent Esso, dès que vous avez un dossier là, ils essaient de gérer ça en haut lieu avec Laurent Esso. Votre dossier est bloqué, on ne vous interpelle, on ne vous suit pas. Voilà comment les gars gèrent le pays. Et c'est comme ça qu'on a pu extirper André Noël Essien de l'affaire. Qui aujourd'hui se concentre sur son dossier bloqué au TSS alors qu'il est poursuivi pour malversation financière quand il était ministre au
il était maire à Saint-Mélima. Et remarquez que dans cette même bataille, FC Ligne 94 contre Ligne Tax Force, vous allez voir que au niveau de. Au niveau de. Remarquez, au niveau de l'Ours. Parce que depuis que l'Ours est mort, comment on l'appelle, le conseiller juridique de président, là, c'est quoi, c'est. Comment il s'appelle, il était là au lac. Comment on appelle le papa là, j'oublie son nom. Si vous avez appelé, c'est ça, cette femme là, comme si je ne me trompe pas. Depuis qu'il est mort, il n'y a plus de conseil juridique. Et du coup, donc, les gars font des choses qui n'ont pas de nom. Remarquez que la FC Task Force avait influencé, demandé la libération de Atanganakuna un avant. Droit, il soit bloqué. Vous vous souvenez que c'était bloqué. Après, ils ont seulement rebondi pour insister qu'il faut libérer Atanganakuna. C'est comme ça, donc, après, donc, il a cédé. Même chose avec les cas des agents des impôts. Dans le cadre des redressements fiscaux, quand on a poursuivi Amougoua, il l'a fait arrêter. Et c'est Boris, le même Boris qui vient publier les convocations disant qu'ils ont voulu faire chanter Amougou Belinga. Où sont les vidéos dans Amougoua? Il n'y a aucune vidéo qui existe. Aucune. Quand on publie, donnez-nous les vidéos là, on publie. Ils ont toujours utilisé les exemples parce qu'ils savent qu'ils utilisent Laurent Esso. Vous ne pouvez pas arriver devant Laurent Esso quand vous avez fait affaire à Amougoua Belinga. Vous tombez, vous ne pouvez pas. C'est eux qui gèrent. Parfois même, il se dit que la femme de Laurent Esso se plaint que son mari écoute même plus Amougoua Belinga qu'elle. On ne sait pas ce qui se gère entre ces gens. Voilà un gang de criminels au pays entre les mains des mafiosos. Vous voyez un peu? Entre les mains des gars de la mafia, le pays est pris en otage par les gars de la mafia. Voilà dans quoi la situation. Le peuple doit se lever et comprendre que l'enjeu de notre pays, l'avenir de notre pays en dépend. Il faut que tous ces brigands dégagent. Sans exception. Alors, si vous ne comprenez pas ça, tant mieux, vous avez accepté de lire. Lisons tout cela. Mais j'ai fait mon rôle. J'ai fait mon rôle. D'édifier autant que je peux. C'est aussi ça mon rôle. Vous ne direz pas le moment venu que vous n'étiez pas prévenu. Et je dis, si on ne fait pas attention, reprenez bien cette phrase. Comme Dieu avait mouru au pouvoir là, le jour que le type là va fermer, si vous apprenez, commencez à faire vos bagages. Parce que ce qui risque d'arriver dans ces pays. Retenez la phrase-ci. Ces gars sont dans une balle. Vous voyez que ça devient même des appuis. Ce qui se faisait de façon souterraine, ça sort. Et ce n'est pas fou. C'est qu'il y a un temps de Dieu. Le grand soi est là. Le peuple doit être en alerte. Le grand soi est là. Le grand soir est là. Je répète, le grand soir est là. Ne soyez pas, ne revenez pas à peine que vous n'étiez pas prévenu. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est très compliqué, les amis. Malheureusement, le Cameroun, il n'y en a plus. Même les journalistes, je suis désolé, ils ne font plus leur travail. Mais malheureusement, on ne doit pas lâcher. C'est des clans. Tellement, vous voyez, le système est tellement bien fomenté que ils ont tellement appauvri les gens pour mieux les tenir. C'est fait à dessein. Si vous n'avez pas vraiment des convictions, vous ne pouvez pas. Mais moi, vous voyez comment j'ai subi. C'est juste que ceux qui me connaissent, peut-être les gens m'apprennent aujourd'hui. Renseignez-vous sur moi. On m'appelait Abanté Douksaga. À l'université, on m'appelait Fali. J'ai fait la faculté des arts et des sciences humaines, notamment l'être bilingue, j'étais délégué d'étudiants. Renseignez-vous sur les gens qui me connaissent. Je suis un gars têtu dès la naissance. Dans vos histoires là, j'ai bagarre depuis la naissance. Même avec Couté, elle avait fermé ma boîte de nuit à Baganté. On a choqué jusqu'à elle m'a fait arrêter. Mais quand c'est le sous-sol, ceux qui connaissent Baganté, en face de la place des fêtes, c'est nous que moi, j'animais là au sous-sol. On est venu fermer, elle m'a arrêté. Je mène les batailles depuis, donc je suis un guerrier. Donc les histoires que les gens veulent venir discrets là, ça ne marchera pas avec moi. Vous êtes oubliés. Oubliés, ça ne passera pas. Donc, vous voyez que malheureusement, on a corrompu tout parce que c'est difficile. Si vous n'avez vraiment pas de conviction, on a pourvu les gens, on vous tient. Les journalistes même avaient 10 000 francs, les gars, pour voir. Parce que la famine, les enseignants, les leaders politiques, ça ne tient pas. Et pour que la situation marche, il faut que le régime de Biya tombe. Tout ce régime, le système doit tomber. C'est une question systémique. Pourtant, le Cameroun a tout pour décoller. Je suis ahuri, surpris de voir partout dans le monde entier. Les Camerounais font des merveilles, ils sont brillants, talentueux. On a tout, ressources humaines, ressources naturelles. Pourquoi on ne décolle pas? Pourquoi on ne décolle pas? Posez-vous la bonne question. Alors, voilà dans la situation où le peuple doit savoir quel est son rôle et rester en alerte. Maintenant, permettez que je fasse une précision aussi importante dans le cadre de l'affaire Mapa. Parce que beaucoup de personnes, je vais encore de faire cette précision. Je ne suis pas dupe, parce qu'il faut que vous le sachiez. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour comprendre aussi les enjeux de l'affaire Martinez-Zogo, je vous ai dit que c'était connu, d'ailleurs dans le milieu de la presse, qu'il était proche, il se vantait d'ailleurs le couple présidentiel. Lui-même me l'avait dit que Chantal Bialet a construit, il me l'a confié ça en prison. Bon, personne, que Chantal Bialet a construit sa maison. Parce qu'il défendait, ceux qui suivaient ses émissions à Yaoundé, je ne vous apprends rien. C'était un défenseur acharné de Paul et Chantal Bialet, Paul Bialet, qui l'ont lâché.
C'est pas Batinez ou qu'on devait quand même tuer comme ça. Vous qui les défendez là, vous voyez comment ils finissent. Père à son homme, lui-même, il était abandonné là. Non, comme des gars qui ont défendu ce régime. Ils sont nombreux, les Aïtébaïmé, comment il a fini avec lui. Ils sont nombreux là qu'on peut citer. Ils sont nombreux. Regardez comment ils finissent. Donc, ce qui se passe, c'est que quand Martinez Zogo me contacte, avant que je n'y arrive, Martinez Zogo était un grand défenseur de Amougou Belinga. Repartez suivre les extraits. Il défendait tellement Amougou Belinga. Tellement Amougou Belinga. Même dans l'affaire Bonita. Même quand je suis allé en prison, il a tiré sur moi copieusement. Parce qu'ils étaient encore très liés à Amougou Belinga. Et je ne me sens pas que même derrière mon arrestation, Amougou Belinga avait une mise. Parce que quand j'étais en prison, quand Amougou Belinga a commencé à avoir des problèmes avec Bargangélé, bon, ils ont eu à gérer une affaire là concernant un soi-disant coup d'État en Guinée équatoriale. Il y a des milliards qui circulent. J'ai eu l'opportunité de rencontrer ces gars en prison parmi lesquels des Innos qui m'ont dit ce qui s'est passé. Et ces gars sont actuellement à la prison de Bolova parce qu'on a trompé Obiang en lui disant que non, il y a des gars qui veulent faire le. Ils ont parlé de beaucoup de milliards qui ont circulé. On les a sortis de la prison. L'argument, c'était qu'on a fait savoir que, bon, comme Kamto est là-bas, là, à la prison, Ayoub Tabé, là, ce n'est pas bien qu'on retienne les gars là-bas. C'est comme ça qu'on les a enlevés, on les a envoyés à Ebolova. Et quand on les a envoyés à Ebolova, on a fait croire au Biangema que c'est qu'on va les envoyer là-bas, en Guinée équatoriale. Et beaucoup de millions ont circulé. Parce que ces gens ont déjà été jugés et condamnés en Guinée équatoriale. Alors, je pose donc la question de savoir, dans cette histoire, Martinez, tu as défendu Amougou Belinga longtemps. Je parle donc, le 28, il est 13h22, j'ai les heures. Il y a une dame qui a un secrétariat à l'entrée d'Amplitude FM. C'est là-bas qu'il a tiré le document, il m'a remis une panoplie. Amougou Belinga, l'Emeline. Et Amo aussi, j'oublie un autre, dans la même taxe, ligne 94. Le général Aïvo, qui est la présidence, il est aussi dedans. Parce que son nom revient aussi dans ces documents-là. Le moment venu, je vais étaler ça. C'est un costaud document, plus de 300 pages. Il gagne les marchés de lingerie. Il gagne les ceci, de sécurité. On ne comprend plus dans quoi. Ce gars, il gagne les marchés à tort et à travers. À hauteur de milliards. Alors, d'après les Congos, ça c'est le Congo, ça. Comment on en arrive là? Bon, il se suit que lorsque la CAN a glissé en 2019, Paul Barthélémy a convoqué une réunion des gens pour savoir quelles sont les raisons. Et avait à cette réunion, ça c'est le Congo, ça, je précise, que il y avait Motazé, Ngongo Ferdinand. Donc, Motazé, capitaine de la ligne 94, avec les Amourou, l'attaquant principal. Et Ngongo, le capitaine de la Task Force. Pour débat, il s'est dit que Ngongo, Motazé a livré directement Ngongo en disant que si les trucs n'ont pas marché, c'est à cause de, comment on l'appelle, de Ngongo. C'est donc comme ça que Ngongo aussi dit, bon, comme c'est comme ça, on verra. Voilà aussi, toi, tu bouffes l'argent là-bas partout dans la ligne Kakankato, où tu avais ton nom Amougou Belinga. C'est donc ainsi que Amougou Belinga a inscrit une enquête sur les lignes 94 et sur la CAN. Maintenant, pendant que Eko, il confie ça à Eko est en train d'enquêter, bizarrement, il y a des gens, des anciens fonctionnaires, je ne veux pas donner leur nom pour les protéger, qui rencontrent des gens et on avait des documents qui concernent Amougou Belinga, concernant les marchés qu'il a eu au niveau de. Qu'il a eu au niveau de. Comment on appelle ça? Oh là là. De le Minepat, quand il était ministre, parce qu'il était au Minepat. C'est ainsi que ces documents-là, les journalistes voulant investiguer appellent Amougou, ils menacent de les arrêter. Ces journalistes en sont passés non pour aller voir Eko ou qui ils ont remis ces documents. Le gars pour que son enquête sur la ligne 94 et autres. Le docteur est acheminé à la présidence. La présidence s'est saisie, je crois, c'est l'ANIF. L'ANIF a son tour dans saisie les impôts. C'est où on décide de faire le redressement fiscal dont vous apprenez là. Quand les MDR, les impôts, décident d'aller faire les enquêtes sur le redressement fiscal, c'est donc en ce moment que Amougou Belinga sort les histoires où vous avez vu, on a arrêté les gars, on a mis en prison. Alors, je fais le lien, pourquoi? Parce que je pose la question à Martinez que, gars, je sais que tu es proche, il se dit que tu es proche de l'autre, de Ngongo. Et il y a une guerre de clans, ça se voit, pour ceux, sauf si ceux qui sont dupes, entre le clan Ngongo, entre la FC Link 94, FC Task Force Clan Gongo et FC Link 94 Clan Laurent et Motazé et autres. Bon, est-ce que ce n'est pas des types là qui t'envoient pour. Parce que quand tu me donnes le document là, soit on a que même les journalistes, c'est les documents des scoops que nous-mêmes on cherche même parfois pour acheter parce qu'on court aussi derrière du scoop. Pour avoir ça, gars, il faut avouer quand même que ce n'est pas facile. Il me dit donc, Paul, tu as posé une bonne question. J'ai dit, pourquoi subitement même aujourd'hui tu tires sur Amourou? Hier,
tu tirais sur. Tu étais un défenseur acharné de Amourou Beninga. Parce qu'il faut aussi dire que même le même Martinez a aussi beaucoup tiré sur Eko Eko par le passé. Je vais revenir pour poser les questions au niveau des responsabilités des réseaux pour que vous-même vous ouvrez un peu les yeux et que le reste arrive. Donc, il me dit, non, Paul, assieds-toi. Il me dit que, bon, Tara, je t'explique maintenant. Tu as posé une bonne question. J'ai eu ces documents à travers les gars des impôts. Tu as vu la bataille qu'il y a entre les Amourou Beninga et autres. Je dis, oui, je dis, comme les gars s'est attaqué aux agents des impôts là, ces gars qui m'ont donné ces documents. Parce qu'ils ont décidé, donc, comme c'est comme ça, on verra. Du coup, donc, je lui dis, ok, bon, pourquoi tu t'attaques maintenant aujourd'hui à Amourou Beninga? Tu étais son défenseur. Même en prison, on sait que tu me disais que tu faisais des manœuvres pour qu'on s'est. Il me dit, bon, Paul, est-ce que tu sais que c'est Amourou Beninga qui m'envoie en prison? Écoutez-moi, crédit. Est-ce que tu sais que j'ai dit comment? C'est presque la même méthode avec David Ebouteflika. Vous allez voir que c'est presque la même méthode. Et même dans l'affaire Bibi Ngota, qui est mort en prison, le nom de Amourou Beninga revient. Écoutez-moi très bien. Il me dit, tu as dit, j'ai défendu Amourou Beninga, je ne sais pas ce que j'ai fait au type là. Et curieusement, effectivement, dans le dossier de Martinez Zogo, il n'y avait pas de plaignant. Et ce qui est curieux, apparemment, les éléments qu'on a donnés à Martinez Zogo pour tirer sur la femme de Mondoyolo, apparemment, c'est les mêmes équipes. Parce que quoi? Quand Mondoyolo était directeur, était ambassadeur en France, Beninga Ebutu était directeur de cabinet civil à Yaoundé, c'était le type de Amourou Beninga. Attends. Mondoyolo était pressenti des CC et Beninga Ebutu utilisait Amourou pour tirer sur Mondoyolo. Parce que c'est les méthodes du régime, en fait. Quand on pressent que vous avez un peu, on tire sur vous, on vous allume, on vous donne les éléments. Si vous n'êtes pas rusé, vous allez tomber dans les pièges. C'est donc comme ça qu'après, il y a cette. Quand malheureusement, le DCC ancien tombe, et effectivement, Mondoyolo monte le DCC. Entre eux, donc le vent ne passe pas. Il faut un élément pour que le vent passe entre ceux-là. Ce qui se passe donc, c'est que Amougou essaie donc de se rapprocher. Il fait amitié avec DCC, avec un de ses oncles que je ne vais pas citer ici. Alors, il dit. Donc, il utilise les mêmes éléments quand Martinez tire sur. C'est ce que Martinez me dit. Il tire sur Mondoyolo. Amougou, donc, qui passe, il le fait arrêter à travers le juge Georges Meka. Retenez ce nom. Georges Meka, cher ami. Même toi, tu es encore jeune. On va ouvrir ton dossier. Tout ce, le mal que vous avez. C'est le même Georges Meka qui fait prendre, qui me fait arrêter. Enlever. Même Georges Meka qui fait prendre Bawola. Même Georges Meka qui fait prendre Martinez Oro. Même Georges Meka qui avait parlé de David Ebutu et autres. C'est lui l'homme, c'était l'homme à tout faire de Amourou Beninga au sein de la prière judiciaire. Maintenant, en 2020, je crois 2020 ou 21, si mes souvenirs sont exacts, oui, 2020, il devait avoir réamé, comment, Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un dossier du Conseil supérieur de la magistrature qui a circulé dans les réseaux sociaux. Quand ce dossier circule donc, on soupçonne. Et son ami Amougou soupçonne Meka d'avoir fait fuiter ses documents. C'est comme ça que Meka est affecté loin à l'Est. Il est actuellement à la cour d'appel de l'Est. Martinet me dit donc que Meka s'est ouvert, il lui a fait savoir qu'il ne savait pas. Il me dit que je tirais sur le DCC sans savoir. C'est donc, il me dit que c'est Amougou Beninga qui l'a envoyé en prison. Martinet me dit donc, Paul, voici les éléments. C'est les faits, Paul. J'ai écrit à la présidence de la République. J'ai écrit au Conseil supérieur de l'État. J'ai écrit au ministère de la Justice. J'ai écrit au TCS. J'ai écrit, j'ai coté aux journalistes. Et les documents, effectivement, sont en pilier. C'est les documents. Si Amougou Beninga dit que c'est faux, qu'il vient m'arrêter. Il me dit, comme c'est comme ça, voici les preuves. Je ne peux pas laisser cette affaire, je vais me venger. C'est ainsi qu'il m'explique. Bon, maintenant, dans la bataille entre FC Task Force et FC Link 94, ça tombe, c'est une bonne occasion, une fois pour vous aussi. C'est selon logique. Du coup, c'est comme ça que Martinez commence dans ses émissions. Il commence ses émissions. Il me dit que Paul, je ne peux pas lâcher. Il dit, gars, dans cette histoire, si moi, c'est un dossier très sensible. Pour que moi je parle, il faut que je sois vraiment je prenne des dispositions sécuritaires pour moi. Je vais développer, mais c'est un dossier très fort. Alors, Martinez engage, il engage. Il me dit donc que c'est comme ça qu'il a décidé donc de commencer à tirer sur Amougou. Le 9
janvier 2023. Martinez Ogo m'appelle. Il me dit, Paul Chouta, Amogo Belinga a décidé de me tuer. De tuer. Et j'ai dit, comment tu sais, Ediktara? Je tiens. Il faut reconnaître que Martinez était quand même un gars introduit au sein du Serail. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est pourquoi, d'une part, quand il m'a dit, je n'ai pas. Et ça a confirmé la thèse sur mon cas de la maman qui travaille à Visage, que je n'ai pas donné son nom, qui m'a protégé et que je remercie au passage. Elle doit se reconnaître. Donc, du coup, il me fait savoir que j'ai dit ça au commissaire. De quel commissaire s'agit-il? Je ne sais pas. C'est Mbagangélé, je ne sais pas. C'est Ivina, je ne sais pas. Le commissaire a dit qu'il faut ébruiter. Allez vérifier ma page. Je lui dis, gars, comme c'est comme ça, moi, j'ai le document ici là. Mieux, on fait un direct, on ébruite parce que, gars, ça commence à être dangereux. Si c'est ça, ça veut dire qu'on sait que moi-même, j'ai le document, je suis en danger. Il dit, oui, d'accord. Programmons ça demain, ça devait être au mercredi. Il dit, ok, mais après, on se lance plus parce que c'est nos programmes n'ont pu concorder, en fait. Une semaine après, j'apprends l'enlèvement de Martinez. J'apprends qu'il est assassiné après. Alors, vous comprenez que j'étais sur la chance. Je n'avais même pas les amis au sein du régime qui pouvaient me. Vous m'avez vraiment tapé à Yaoundé Kopi. Il y avait tous les indices pour arrêter. On n'a même pas bougé. Ça n'a même pas ému. Les gars sont allés me tuer. Ils croyaient que je suis. Ça n'a même pas ému malgré les plaintes et tout ce que j'ai pu faire. Ça n'a pas. Ça n'a ému personne. Parce que j'ai mes opinions qui ne cadrent pas, qui dénoncent le régime. Donc, du coup, ils s'estimaient que si c'est lui, on s'en fout. Mais c'est arrivé, je suis chanceux. Et du coup, voilà comment on obtient Martinez, on finit avec lui. Alors, maintenant, dans le cadre de cette histoire, c'est que les jeunes Africains, les Boris Bethol, les mutations, les Tarara, le messager ne vous dit pas. Dans le procès verbal, lorsqu'on a interpellé Eko, vos avocats peuvent-ils dire ce que vous vouliez parler à dire? Quand on vous a demandé où est Martinez Zogo, vous avez répondu d'aller demander à Amouga et son ami Justin Dangoué. C'était, ça signifiait quoi? Si vous demandez à vos avocats, pourquoi ceux qui communiquent pour vous ne disent pas que vous avez dit ça. Pourquoi ils prennent un pan sans dire ce que vous avez. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez parler à dire quoi? Que vous connaissez et vous n'avez pas dénoncé? Je veux savoir, c'est consigné dans le document. Vous le savez bien. Il y a eu deux rapports. Ce qu'ils ne vous disent pas, la commission mixte. Dans l'un des rapports, on dit qu'il y a eu un document signé, monsieur Ekoeko, de vous, où vous avez demandé, mis les gars en mission. Mais sauf que vous avez nié que vous ne vous reconnaissez pas dans ce document. On parle encore d'une autre histoire de fausse signature. C'est dans le dossier. 300, au moins, le rapport, c'est au moins 312 pages. Vous savez que ça existe. Que vos communautés disent ça. Vous ne manipulerez plus l'opinion, jamais. Si vous êtes impliqué, vous allez répondre. Peu importe, faites vos batailles, mais vous n'allez pas manipuler l'opinion. Entre vous là-bas, il faut que l'opinion sache quels sont les gens qui sont dangereux dans ce pays. Alors, le même Eko dit, Amougou Belinga a voulu faire l'amitié avec lui. Il a refusé, mais en disant qu'il ne doit pas se mettre au travers de son chemin. Ça signifie quoi? Amougou Belinga, dans le procès verbal, Eko était à l'immeuble et quand c'est reconnu, votre secrétaire a reconnu qu'il était là-bas. Et il s'est dit qu'il est venu vous remettre les vidéos de la torture de Martinez. D'après les éléments que l'antique a fournis, il y a une discussion entre vous. Pourquoi, Sikati, marionnette, tu n'as pas honte? Tu as tous ces dossiers. Bon, mettez ça à la place publique que l'opinion juge. Faites un procès public, j'insiste dessus. Faites un procès public et que l'opinion se fasse son idée. C'est aussi simple que ça. Je crois que ça sera plus transparent. Un procès public télévisé, que l'opinion publique tire sa conclusion. Parce qu'il n'y a plus de justice au Cameroun. Le pays est pourri. D'ailleurs, qu'est-ce qui marche? Alors, dans cette histoire, dans où vous vous rendez compte, Mini Bachu, les histoires de torture, et vous avez, dans la conversation, d'après la conversation sortie par l'antique, vous l'avez dit de lui donner une bonne correction, ça signifiait quoi? Et quand même, le juge estime qu'on va vous mettre en liberté. Si c'est faux, c'est pourquoi j'insiste.
Je n'insiste pas que vous êtes coupable. J'insiste pas. Mais on n'est pas dupes. Et vous savez, tout ceci arrive parce que nous, on a toujours tendance à croire que la parole des magistrats, c'est la parole de l'évangile. Faisons que attention. Utilisons nos cerveaux, posons-nous les bonnes questions. Utilisons. Ces gars, il n'y a pas de justice. Vous voyez? Donc, voilà où ils en décomptent minute by minute en disant oui, il faut qu'ils le torturent. C'est comme si. Ils ont même supprimé. Mais l'antique a ressorti, c'est en informatique qu'on a subi. Ils ont même supprimé les conversations. Le téléphone qu'on cherchait, on dit le téléphone que vous avez mis. Monsieur Eko, monsieur Sikachi, le juge. Pouvez-vous nous dire, faire le compte rendu des thermocopies, des contenus des téléphones de Martinez Zogo, Amougoubé et tous les suspects? Sortez ça comme élément. Dites-nous ce qu'il y a comme contenu. Vous n'êtes pas crédible, vous êtes un menteur. Vous n'avez plus compétence de connaître et de juger cette affaire. Fichez le camp aux Camerounais. Vous avez signé un document, vous venez le nier. Après, vous avez voulu mentir l'opinion que Dangoué a dit que. Sortez le père d'un procès public et que l'opinion tire sa conclusion. Faites un procès public filmé. Vous allez tomber des nues de ce que vous allez voir dans ce dossier. Il n'a rien fait. Oh, il a dit, oh, il a dit que, oh, il a dit que. Vous prenez l'équipe pour les idiots. Alors croyez-vous, Eko jusqu'à présent est directeur de la DGLE. Je n'ai fini, on les a confrontés. Vous croyez honnêtement que on peut mettre un patron de la DGLE. On le confronte à son subalterne va dire quoi contre son patron. Même ce que le régime bien fait, ce régime fait est monstrueux. On l'a maintenu à son poste. Jusqu'au moment où je vous parle, Eko est DG de la DGRE. Vous croyez qu'on va le confronter avec son ami, il va venir dire quelque chose contraire à son patron. Ça tient lieu, ça a un sens. Il y a un rapport de subordonné. Ouvrez les esprits, il y a un rapport de subordonné. Alors, vous prenez qui pour les imbéciles? Monsieur Eko, soyons sérieux. Martinez Zogo a été filé depuis novembre 2022. Vous êtes patron de la DGRE. Il y a au moins 14 éléments de la DGRE qui sont impliqués. Il y a des services de la DGRE, non pas seulement des opérations et des géolocalisations. Des gens venus de différentes villes qui ont pendant des mois, on a utilisé les moyens de la DGRE logistique et humains. Vous nous dites que vous n'étiez pas au courant, mon frère. Mon frère, il faut respecter l'intelligence des Camerounais. Soit tu mens, soit tu es encore. Et si tu es même encore important, c'est très grave. Ça veut dire que la DG entre tes mains, le pays était en danger. Nous étions, le Cameroun était en danger entre tes mains. Bon, on peut comprendre, avec tes 5 femmes, tu étais trop préoccupé, sans compter peut-être les petites. Donc, on a mobilisé pendant des mois. Ouvrez les cerveaux. C'est-à-dire, depuis novembre jusqu'à janvier, on veut prendre Martinez au goût. Les gars le filent. On le suit. Il y a le service de géolocalisation. Il y a les opérations dedans. Oui, qui ont fait ce travail-là? Le filer, jusqu'à l'enlever, le tuer. Pendant des mois, des jours. Avec les moyens de la DGE, qu'on a sorti de la DGE. Donc, Eko n'était pas au courant. Merde. Vous prenez souvent les gens. Vous croyez que nos parents nous ont envoyés à l'école, on est les bancs. Vous prenez même. Ayez un peu pitié, cachez-vous. Cachez-vous. Même Guérandi, vous ne connaissez pas l'affaire Guérandi. Il va revenir sur l'affaire Guérandi. Entre-temps, vous pouvez nous dire où Yapcher est là. Il faut nous dire où Yapcher est là. Parce que il y a des rumeurs là. Si vous êtes. Attends, je vais revenir sur le dossier de Pierre là. L'homme qui a sauvé Paul Biya dans un coup d'État dans les années 90. Allez savoir ce qu'il est devenu. On le cherche en vain. Je vais revenir sur ce dossier. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Guérandi? Ou même vous ne connaissez pas? Ou bien vous n'étiez pas au courant? Alors, moi, je pense que, soit quelqu'un a joué au pense, au jeu, vous faites quelque chose là, si ça marche, ça marche. Et, honnêtement, quel intérêt Dangoué avait à tuer Martinez Zogo? Logiquement, quel intérêt? Parce que Martinez Zogo, un, il a tiré sur Eko, c'est connu. Et il a tiré sur Amougou Belinga. Bon, Dangoué avait quel intérêt? Expliquez-moi quel intérêt Dangoué avait. Donc, il s'est levé, tous les éléments de la DGR, les 14 là, avec le service de logistique, se sont levés. Donc, c'est Dangoué lui seul. Alors qu'il n'a pas compétence de mettre en marche, à mobiliser toute l'équipe là. Donc, c'est vous le DG. Ne prenez pas les Camerounais pour les idiots. Il avait quel intérêt? Alors, monsieur Amougoubelinga,
Vous avez dit que Dangoué venait vous faire quoi? Qu'il venait vous voir pour que vous fassiez avancer l'avancement de solde au ministère des Finances. Ça rejoint toujours les histoires de Galine 94, ministère des Finances Motazé, la femme de l'Ox, ministère des Finances, Eko, ministère des Finances, Eko, là, Amougou Belinga, toujours au centre. Et vous dites que vous n'avez rien à y voir. Vraiment. Jusqu'à les gens même gober ça. Ils ont placé, le juge a dit que. Vous prenez les gens pour qui? Faites un procès public. Simple comme bonjour, et que l'opinion tire sa conclusion. Je ne donne pas d'orientation. Que chacun juge à son niveau. Alors, voilà des éléments qui se sont passés. Qui venait souvent voir, il devait faire son avancement de solde auprès du ministère des Finances, machin, machin. Aïe! Quel intérêt donc il avait à tuer Martinez Oro? Et juge Sikachi, donc, un gars qui s'il est arrivé, qu'il a changé de version. Donc, tu as estimé que c'est la version qu'il a dit qu'il n'a rien à voir là, qui est vraie, donc les autres sont fausses. Vraiment. Avec tous les éléments que tu as là. Vraiment. Sors-nous le contenu du téléphone de Martinez Oro, non? Pourquoi tu tournes? N'aie pas honte. C'est même un crime d'État, parce qu'on a utilisé les moyens d'État. Et ils maintiennent encore le patron de la DGRE. Et on vient les confronter avec ses subalternes. Ils vont dire quoi? Vous prenez une enquête comme ça au sérieux? C'est une enquête menée au sérieux, ça. C'est quand tu as honte, il faut enlever ta tunique de pasteur que tu racontes là. Tu te souilles. Tu as honte, tu vas avoir honte. Il faut avoir honte. Après, c'est un fait. Tu viens signer un document. Tu as mangé ta part, mon frère. Tu qui mets quoi? La vie, c'est la position. C'est pour, tu mets quoi dedans? Même si tu prends ton argent, là, tu peux t'installer aux États-Unis comme. Comment on l'appelle là? Simi Minier. Tu commences à faire tes piscines parties là-bas. Tu mets quoi, mon frère? Tu devais me finir peut-être ta carrière sans jamais avoir ça. Eh, Azamboa, ma Cameroun. Ouais, Dieu. Eh, Seigneur Jésus. Non. Et vous voulez continuer avec le même système là? Pour manger les Camerounais comme vous faites là? Et du coup, je vous parlais donc pour apporter éclaircir, attirer votre attention sur ces éléments et que cette manipulation ne prospère plus à jamais. J'ai longtemps, je suis longtemps resté silencieux parce que je ne voulais pas donner, faire comme si j'influençais l'enquête. Mais tel que c'est parti là, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Donc, ce qui est curieux, autre chose. On nous fait croire depuis, Sikati ne fait que parler de torture. C'est comme si Martinez aurait lui assis quelque part. Il ne parle même pas d'assassinat. Ça dit, les gars, merde, le Camerounais. Les gars ne parlent même pas d'assassinat. Ça dit que. Ils s'en foutent même de Martinez Oro. Donc peut-être que Martinez Oro s'est suicidé, ou peut-être qu'il s'est caché comme Boris Béton l'a dit là. Bon, comme on a seulement torturé Martinez Oro, il est alors où? Alors, vous comprenez que, que s'est-il passé? On parle d'un cas de deuxième commando, où on parle de pistes et autres. Bon, l'élément sur le deuxième commando, d'après certaines informations qui me sont parvenues, je ne sais pas que sont vraies, et je ne dis pas que c'est fondé, parce que je n'ai pas d'éléments probants là-dessus. Il se dit que la question aussi que vous devez vous poser, pourquoi, comment est-ce que on est au courant que Martinez Ogo a été torturé par les éléments de la DGRE? Comment est-ce qu'on a pu prendre aussi facilement les éléments de la DGRE? Alors, il s'agit d'un commando. Parmi les gars qui ont fait ce travail à Martinez et qui est malheureusement décédé, qui est allé faire le commentaire, il a ouvert la bouche. Il a fait le commentaire à un certain Elon Lobé, qui est à la DGRE. Et au sein de la DGRE étant divisé entre aussi les clans, les Danwe et qui ne s'entendent pas et les Elon qui ne s'entendent pas de l'autre côté, quand le commando va faire dans le commentaire, il se dit donc que, et l'on porte ça parce qu'il aurait fait commenter que ça vient du côté de la ligne 94. Il part dire, on dit, au patron de la Task Force, Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo, donc, il fait le fait pas de l'opération. Le commando fait pas et l'on lobe, et le lobe donc fait pas Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo vend que c'est une bonne occasion pour aussi inscrire un but parce que les gars, c'est gna, mia, gna, you, tu me guettes, je te guette. Ils se mettent donc dans cette posture. Il dit, bon, voilà une bonne occasion. On renvoie le commando infiltrer le groupe. Que se passe-t-il? Quand le commando infiltre le groupe, vous allez comprendre pourquoi les Boris Béton voulaient nous faire croire que Martinez Ogo
a simulé son enlèvement. En fait, il s'est dit qu'il y avait un projet, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, de faire disparaître le corps. Mais comment il y a quand même une logique? Parce que venez nous dire que Martinez, si on avait pu faire disparaître le corps de Martinez Ogo, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on est là à croire que Martinez Ogo est quelque part. Et on voulait, c'est la version que Ignace Assolet, les amis de Amougou Belling et Mutazia ont voulu que je go. Heureusement que je suis allé vérifier. Et que Boris a publié. Pour vouloir manipuler l'opinion. Alors, quand le commando donc vend la mèche, d'après les versions qui me sont, qui viennent d'un autre, de certaines sources, on renvoie le commando là d'aller infiltrer le groupe et d'informer sur les différentes actions que les autres doivent prendre. C'est donc comme ça qu'on forme un deuxième commando. Parce que quand les gars infiltrent le groupe, le projet est d'aller faire disparaître le corps à Ebogodu. C'est comme ça que vous voyez qu'il y avait l'acide, ils sont partis avec l'acide. Vous voyez que le corps, il y avait l'acide sur le corps. Dès qu'ils sont partis, ils ont versé la première couche d'acide sur le corps de Martinez. Le commando qui les suivait a braqué les phares. D'après ce que j'ai reçu de source, ils ont braqué les phares sur eux. C'est donc comme ça que ils ont pris les gars. On a pu les identifier maintenant le sac. Vous voyez que dans la même panier, ils ne pouvaient pas nier parce que les éléments sont là. Les preuves sont là. Les preuves sont là. C'est pourquoi ils ne pouvaient non plus nier. Et maintenant, ils disent que non, ce n'est pas eux, c'est un autre. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient suivis par un autre commando. C'est que l'un des commandos, l'un des leurs est allé vendre la mèche. Sinon, on ne serait même pas au courant de l'affaire là. Il faut dire que Martinez voit aussi un sang-froid. Si le gars ne partait pas vendre la mèche, parce qu'il n'était pas d'accord discrètement, ou bien peut-être qu'il voulait faire juste un commandé d'une opération, et que le gars se rend compte que c'est Martinez, ils sont allés trahir. Parce que quand on voit aussi qu'on fait venir des gens des autres villes, c'est que peut-être il serait que si on venait intervenir les gars du centre de Yaoundé, un gars ne pourrait pas accepter d'aller faire ça à Martinez Ogo. Ou un gars qui connaît Martinez. Parce qu'on dira aussi du fait qu'il était une personne qui défendait le fait, bec et ongles le régime, il faut reconnaître que Martinez Ogo était très apprécié. Même des taxis dans les émissions, dans les taxis des émissions qui passaient. Donc il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Avec eux, ils ne devaient pas être d'accord avec un certain nombre de choses. C'est donc comme ce commando qui trahit. Donc, le projet étant d'aller faire disparaître le corps, il faut faire croire à l'opinion qui s'est cachée. Bon, si on avait réussi à faire disparaître le corps, ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve notre maison. Ce qu'on est là, resté là, on a espoir qu'un jour il va sortir. Vous voyez comment les gars sont malsains? Donc, voilà un peu, en quelque sorte, dans quel engrenage on se trouve aujourd'hui. Mais, voilà le grand soir commence à sortir ses tentacules. Le grand débit. FC Task Force V6, FC Link 94. Who go win the game? Entre-temps, où est le peuple camerounais dans ça? Mes chers amis, soyez vigilants. Soyez vigilants. Il est question, le Cameroun est en train de traverser une phase cruciale. Vous devez vous éveiller, vous devez être prêt, agissez. Même à travers les textes, les partages, parce que nous avons aussi accepté de porter sur nous, de parler au risque de nos vies. Moi, je sais que je ne m'appartiens plus. Peu importe ce qui adviendra, je dis encore, j'ai une mission. Si je ne suis pas mort, comme les gens m'ont enlevé, me disant qu'ils partaient me tuer, c'est parce que Dieu estime que je n'ai pas encore fini ma part. Et Dieu envoie chacun sur la terre avec une mission. Le jour qu'il va estimer que ma mission est terminée, mais pour le moment, tant que j'ai encore ce souffle de vie, je mènerai ce combat jusqu'à là. Mais encouragez-nous aussi, laissons les petites guéguerres qui peuvent intervenir, oui, ça peut arriver, on peut se tromper. Soyez parfois indulgents, c'est une œuvre humaine. Quelqu'un peut se tromper de bonne foi ou de mauvaise foi. Alors, hier, concrètement à ceux qui ont dit qu'il y a eu, il n'y a jamais eu contradiction dans ce que moi j'ai dit, faux, ou nous avons dit. Tous les documents étaient authentiques. Voilà donc ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. C'est juste une bataille entre les clans du pouvoir qui font en sorte qu'on se trouve dans cette position. Tous ces documents sont authentiques. Je vous dis, je vous mets au défi. Si on fait un remaniement aujourd'hui, on peut encore lever les momos, ça passe parce que les momos, c'est les pieds plats. Excusez-moi du terme, mais c'est les pieds plats. Comprenez que combien de ministres sont déjà morts? On ne fait pas le remaniement. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Combien de DG, combien d'exercices sont, même au niveau de la magistrature, depuis 3 ans, on n'a pas fait le conseil sur la magistrature. Oh, la loi dit que c'est après chaque 1 an. Allez savoir pourquoi c'est bloqué. Toujours à cause de la bataille Task Force contre. Ligne 94. C'est la même bataille qui bloque le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez un peu? Et ce peut faire passer ces gens, l'autre peut faire passer ces gens. Et vous voyez que, il y a même, on a même pu retourner certains juges qui étaient affidés à Esso, notamment Aaron qui est à Douala. Le gars n'est plus avec Esso. Le camp Task Force a pu le retourner. Et c'est pourquoi la décision qui avait été rendue que
contre le DG du port, Cyrus Ngo, l'ami intime aussi de Ferdinand Ngongo. Tant la décision avait été rendue, vous vous souvenez qu'on avait même demandé d'interpeller, c'est les gendarmes qui ont bloqué ça. Vous voyez que le Cameroun, c'est derrière un niveau. Vous croyez que. Il dit que le pays s'est arrivé à un niveau où. Donc, quand le juge a rendu cette décision, arrivé Charo, il a bloqué parce qu'il s'est retourné contre Esso. Et les gars, le système est bloqué. Donc, pour qu'on enlève Esso là, ou bien qu'on ne pas, il faut seulement peut-être qu'on envoie la bille pour les porter. J'ai dit, on fait un remaniement là, on enlève Esso. Ou les gars vont demander que Paul Biya lui-même lise ça. Et ils vont se rassurer que ce n'est pas Kaiser Choua qui en a fait les mecs. J'en suis convaincu. Parce que les gars savent que les Biya et autres ne tiennent plus. Donc ils gèrent maintenant par les machines de gré, haute instruction. Ils font les clubs, chacun utilise ça comme il veut. Vous voyez même que dans le cas d'Emilien Vogo, la dame des impôts qui était en prison, lorsque le premier document est sorti, qu'il faut libérer la dame. Et soit même d'abord refusé. Il a même hésité et il a fait publier le document parce qu'il doutait que ça vient vraiment de Paul Biya. C'est quand Ayolou a et même au niveau de la présidence, et les gars de la Task Force ont pu aussi infiltrer la présidence de leur côté parce que vous voyez que Ayolou est du côté, les gars de la ligne 94, est du côté de la ligne 94. Donc vous voyez que le pays est en ébullition. Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer là, mes chers amis. Faites attention. Donc, en réalité, je ne sais pas si j'ai éludé quelque chose, ou bien s'il y a une question, si les gens, je peux peut-être dans encore 5 ou 10 minutes, si les gens ont des questions, ils peuvent appeler ou des réactions, et puis je vais finir. Donc voilà en réalité ce sur quoi je tenais à vous entretenir sur ce soir, et je crois que désormais, on ne pourra plus laisser des choses passer de cette façon, parce que l'heure est grave. Si nous n'ouvrons pas les yeux, nous serons très, très, très déçus et surpris à la dernière minute. Alors, chaque société, chaque génération appartient à une société et à un combat. Et nous devions épouser, mener des actions pour les combats qui nous interpellent. Ce n'est pas après nous ou quand nous serons morts que les gens viendront faire mener des combats pour nous. Non. Si on ne change pas le Cameroun ne nous changera pas non plus. Il nous revient à travers les actions que nous menions ou que nous devions mener pour faire niveler, assainir notre environnement. Si on ne le fait pas, mes chers amis, ça ne viendra pas du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a donné la force de le faire. C'est à nous de poser les actions. Et l'heure est arrivée de dire stop. Nous devons donc, dès maintenant, poser les actions, poser des gestes pour sauver notre pays. Parce que le pays est en train d'aller en vrille. Le pays va dans tous les sens. Donc je crois que sur ce coup, j'ai fait ce que j'avais à faire et je continuerai à le faire tout en n'étant pas parfait. C'est pourquoi je demande aussi, il peut m'arriver peut-être, je suis un être humain, de me tromper de bonne foi. Mais il est aussi honnête de reconnaître le peu d'efforts que nous menons pour clarifier l'opinion publique. Donc, si quelqu'un a une question, il peut la poser là en 2 minutes. Je regarde les commentaires ici. Ici, je crois que si vous ou c'est possible d'appeler, vous appelez au hasard. Au cas concret, je crois que je devoir arrêter ces lives. Donc, ceux qui ont le contact peuvent appeler. Donc du coup, je crois que voilà un peu grosso modo, c'était donc pour vous expliquer l'origine, la source de ces documents qui sont authentiques et qui est l'émanation qui se situe au cœur d'une bataille entre TACS, Ligne 94 et le clan FC Ligne 94 et FC Task Force, mais qui en réalité implique d'acteurs donc au cœur de l'affaire Martinez Ogo, où il y a des personnes qui sont véritablement impliquées, mais qu'on veut à tout prix manœuvrer pour faire diversion ou libérer au détriment de la justice que le peuple camerounais réclame. Et c'est pourquoi ici, j'ai dit de façon claire qu'on n'y a plus de cette justice. Il n'y en a plus, il n'y a plus conscience à faire cette justice. S'il veut que nous fassions nous-mêmes notre propre opinion, qu'il fasse un procès public, télévisé, l'opinion pourra juger. Pour le moment, ce qui se passe, la tentative d'évasion, le Task Force a vu, tu vois un peu. Donc voilà un peu
ce qui se passe en ce moment. Donc, comme il n'y a pas de questions, il n'y a plus rien à dire, je crois que je vais pouvoir tout simplement arrêter le live. Donc, le bref résumé est clair, je l'ai dit ici, que le document, les documents qui ont circulé, que ce soit le document qui portait déclaration de mise en liberté de Amogo Bellingha Eko, est authentique. Ce document est signé de Sikati. Et l'autre document qui vient dire que c'est un fake, c'est signé de lui-même. Donc lui vient me dire que c'est fake. C'est que, mais on arrive là parce que c'est une bataille de clans entre FC Link 94 qui fait feu de tout bois pour libérer leur mentor Amogo Bellingha qui est en prison et autres parce que c'est l'homme lige qui protège, qui se cache devant leurs intérêts et que sa position en prison les met mal. Et le camp Force qui veut aussi mettre des buts, profitant de l'affaire Martinez-Ogo pour faire un coup au mais en réalité, au cœur de cette affaire, c'est qu'il y a une réalité. Martinez-Ogo a été assassiné et les commanditaires sont connus. Les exploitations, je vous ai parlé des téléphones d'Amougou et autres. Dans lui-même a déclaré que c'est Amougou qui l'a envoyé, malgré tout ce qu'on veut nous dire, et qu'on ne pouvait pas être au courant parce que les éléments de la DGE étant 14 et que Martinez-Ogo ayant été filé pendant au moins 1 mois et demi avec les éléments logistiques de la DGRE, les hommes de la DGRE, et avec les services de géolocalisation de la DGRE, il est impossible que Eko ne soit pas au courant. À ce niveau-là, sa responsabilité, à ce niveau, je ne désigne même, je ne laisse même pas sur ce côté-là. Et je redis encore, il est impossible. S'il dit qu'il n'était pas au courant, soit il ment, soit il est incompétent, et s'il est incompétent, il devient très dangereux. Et on ne peut pas espérer à une justice dans cette affaire où on maintient Eko, DG de la DGRE, et on va le confronter avec les éléments de la DGRE. N'attendez pas, il y a un rapport de subalterne. Il ne peut pas dire des choses graves contre le patron. Il faut qu'on soit honnête à ce niveau. Et vous comprenez que, quel que soit le niveau où on se situe, il a une part de responsabilité dans cette histoire. Donc, vouloir jouer au jeu qui vous l'amène, c'est faux. Et j'ai dit, l'exploitation des téléphones de Madame, bien qu'ils ont supprimé par l'antique, les éléments sont là. Il démontre que Eko était en collaboration permanente avec Amogo Bellingha. Il lui rendait compte et qu'Amogo lui a demandé de corriger Martinez Ogo à son compte. Et lui a rendu compte, lui a donné une vidéo, ils ont supprimé des éléments, mais en informatique, rien ne disparaissant. Les éléments sont là. Quand les juges donc fassent le procès public, j'insiste sur ce procès public, et téléviser quand l'opinion tire. Nous, ce qui nous regarde, c'est la vérité. Il faut que le peuple camerounais sache les qui sont dangereux et assassins. Parce qu'en le sachant, ça vous met en sécurité. Parce que si vous ne le sachiez pas, vous ne le savez pas, ça va vous mettre en insécurité. Voilà, ceux qui sont intelligents ont compris. Il ne faut plus qu'on fasse dans la langue de bois. Il n'a aucun. Le problème, même, ce n'est même pas. C'est que malheureusement, ils sont en train de régler leur compte politique dans une affaire véridique. Au lieu de. Qu'il y a des personnes impliquées. Donc, ils s'en foutent même pas mal. Vous savez, est-ce que vous savez même qu'aujourd'hui, je parle même comme ça, la famille de Martinez aurait abandonné à elle-même. Même les avocats, ils se battent comme des beaux diables, sans numéro, sans honoraire. Même l'argent, même. Vous comprenez? Ils font beaucoup d'efforts. C'est même facile comme le quorum. Il faudrait que les gens se mettent. Même la présidente n'a même pas pris la peine d'inscrire les enfants de Martinez Ogo à l'école. Paul Biya, vous deviez avoir honte. Chantal Biya, tu devais avoir honte. Ngongo, vous deviez avoir honte. C'est sans vos amis. C'était eux. Ils vous défendaient. Sa femme, Diane, est là. Elle tournait mon tous les jours. Même, elle m'appelait, elle pleurait partout. Parce qu'abandonnée, elle mais les enfants sont là. Vous n'avez pas honte? Martinez Ogo a défendu Biya. Quand vous suivez ses émissions, c'était tout la voix de Paul Biya. Voilà. Le président de la République. Même quand il m'a appelé, il m'a dit, mais Paul Biya a dit qu'on l'aide à dénoncer les prévaricateurs. Je crois que je vais fouiller encore cet escrêt. Je crois que je vois la voix ici. Je sais pas à qui je vais envoyer ça. Donnez-moi 2 minutes. Il faut que vous suiviez très bien ce que Martinez dit. Que Paul Biya a demandé qu'on l'aide à dénoncer ceux qui volent l'Ontara. J'ai dit oui. Nous voici qui faisons. Pourquoi ils ne me protègent pas? Et vous voyez le régime que vous défendez. Même les gens qui mouillent le maillot pour vous. Voilà la famille de Martinez ou abandonnée. Les avocats se battent comme un beau diable. Vous êtes là, où on défend le régime. Ils sont abandonnés. Maintenant, c'est les guerres politiques. Ils veulent utiliser le sang de Mafou, c'est faire les règlements. Tout ce qui intéresse le peuple camerounais, c'est d'exposer les assassins là. C'est tout. Nous, on veut être en sécurité. Et dégager. Tous, vous êtes parlé, vous êtes des bandits. C'est un groupuscule de bandits qui ont pris le pays en otage. C'est de ça qu'il est question ici. Il n'est plus question de tergiverser. Vous voyez? Il n'est plus question de tergiverser. Et je vois l'autre jour quelqu'un venir dire que Paul Biya, les collaborateurs. Le premier responsable même dans tout ça, c'est Paul Biya. C'est d'abord lui-même. C'est lui qui a entraîné le pays où on est là actuellement. C'est lui. Il ne faut pas tourner pour le dire. C'est Paul Biya.
Les Ngongo, on les connaissait. C'est lui qui est venu avec eux. Les Murtazés étaient toujours dans la camp, les familles. On les connaissait où? C'est lui qui est venu avec eux. Donc, tous les gars que le gars là nomme, c'est seulement des bandits. Il faut le chef, il n'y a qu'un chef bandit pour voir les bandits. Il n'y a qu'un chef bandit. Depuis que le temps, tu as chaque fois le banditisme. Le record, c'est toujours le vol, le vol, le vol, le vol, le vol, le vol. Vous voyez dans quoi on se trouve aujourd'hui? Donc, voilà en résumé ce que j'avais à dire. Et je crois que chacun a les oreilles pour comprendre. Je voulais, pour finir, si vous permettez, je crois que je vais trouver ça parce qu'il faut que j'arrête déjà, j'ai autre chose à faire. Vous avez fait, j'ai arrêté ma mamite. Et désolé, je sais pas vous. J'étais obligé d'arrêter ma mamite au feu parce que je me bats. Si je ne me bats comme ça, mes amis, je vais manger quoi. Non, tout le monde n'a pas la ligne 94. Personne n'appartient. Tout le monde n'est pas comme les Boris et autres qui connaissent les gens de la ligne 94. FC Ligne 94. Apparemment, c'est le milliard là-bas. Hein. Les gars ont le budget. Ils ont le budget, mes amis. Vous voyez que quand les gars se défendent, un Boris qui était, le gars, vous voyez comment un gars s'agit. Quand vous le voyez même écrit. Bizarrement, le Boris n'a même jamais publié le document. L'autre document publié par Sikati. Allez comprendre. Il se trahit même sans savoir. Il manque d'intelligence. C'est que le budget coule, mes amis. Le budget coule avec les Byzantins qui sont là devant. Oui, c'est eux qui courent. Ils sont là. Au peuple camp, peuple camp. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut y préparer la libération de l'Égypte pour le faire fuir à l'air. Et il y a aussi un autre qui revient. Émile Parfait Sim, avec les trucs qui se préparent en Centrafrique. Je vais arriver sur ce dossier. Donc, je crois que j'ai fini ici. Je peux vous faire écouter pour finir rapidement. Je crois que je vais même renoncer à la dénégation que je voulais parce qu'il n'y a pas de justice. Je ne crois plus à cette justice-là. C'était bon, restez avec ça. Mais si vous voulez être sérieux pour publier ça sur les réseaux, à l'opinion, voilà, c'est ça. Écoutez bien, ça c'est Martinez qui m'appelait. Est-ce que vous écoutez? J'en ai parlé au commissaire. On savait lui que je courais hier. Il m'a dit que quand c'est comme ça, il faut mettre l'affaire meilleure. Il faut priorité l'information. Là, tout le monde a reculé le temps que je prenne les dispositions. Alors, le gars a dit qu'il va finir avec moi. Mais, à main de main. Le nom qu'il a cité, Aman Malalo, depuis le jour où tu connais. C'est corruption. Oui, le début du canard. Et aussi, Jacques, tu sais quoi, Gira, son rédacteur en chef. J'ai de 9 ans. Toi, moi, tu vas en là. Voilà ton esquive, tu dis. Alors, quand moi j'ai eu des informations de quelqu'un qui traite pour ce que je suis allé directement dire au commissaire. Le commissaire m'a dit que non. Quand c'est comme ça, il faut des priorités d'affaires. Il faut des priorités d'affaires. C'est là que je me dis que non. Je te connais, mais je préfère que ce n'est pas toi qui es priorité d'affaires, que ce soit quelqu'un d'autre. Tu peux passer par une autre, tu veux passer par un autre gars. C'est-à-dire que. Peut-être dans le film, est-ce que Jean-Pierre Amouroubéniga a-t-il programmé l'assassinat de la presse, notamment Aman Mana, Maître Lujo, Pépé, Yucalara, Jean-Pierre Jumier, Pépé Neuveng, moi, et dans là. Mais est-ce que si on peut le dire là, ce n'est pas important de faire ça nous-mêmes. Je ne reviens sur les sujets et on dit qu'on met. Parce qu'il ne faut pas prendre les gars, témoins sont plus conjoints. Quand on a les informations, dites que, effectivement, parce que moi-même, je constate que ma vie, je ne suis pas président de la maison. Mais je ne vois pas les essayer du gars. Parce que j'ai envie de dire la plus. Le gars a demandé qu'on l'aide à lutter contre les témoins et la corruption. Ce n'est pas ça, gars. Hein? Le gars a demandé qu'on l'aide à lutter contre la corruption et les détournements. Tu as suivi son esprit de fin d'année? Oui, évidemment. Moi, je crois qu'on fait, si tu n'étais pas prêt à ta disponibilité, si on peut faire ça même devant ce soir, on fait un live, il faut prendre le gars à tes mots. Effectivement, la première chose qu'on veut de mon arrêt, c'est lui qui était derrière ça. Parce que je vois là.
cherche à donner pour lui donner un coup de main sur cette prête à dénoncer et menacer. Je le protège. Mais c'est ce côté que moi je vais attaquer cette nouvelle. Voilà. Attends, si on peut donc faire un live dans le. On revient sur ce sujet et on prend le vieux à témoin. On peut caler ça demain, c'est comme mardi. On peut caler ça mercredi soir. Ok, ça marche, ça marche. Là, on annonce ça aujourd'hui, on est mercredi soir, on va mettre ça dans les 19h. Ok, non, il n'y a pas de problème, moi je suis dit, il n'y a pas de problème. Ok, j'annonce ça, on va mettre ça à 18h, c'est bon. Ok, ça marche. Bon, c'est fini. Donc, vous voyez, c'était une semaine, malheureusement, Martinez. Une semaine avant qu'on enlève, on l'assassine. On venait dire que. Donc, lui-même, il a. Ça dit. Les gens veulent nous faire croire qu'il n'y a rien là. Que les gens qu'on a. On a pris des gens, peut-être pas. Ils n'ont rien à voir. Ça dit. On veut nous dire. Si, ça dit. Les gens sont quand même curieux. Et Martinez a les informations. Il faut qu'on se commissaire, c'est qu'il a les éléments. C'est qu'à Tiou, qu'est-ce que sont. Vous avez les téléphones de Martinez, Soko. C'est-à-dire, mes amis. Au revoir.